Vas-y, je vais sûrement devoir m'absenter 5 minutes à un moment, mais... Pour changer le chat, certainement. Donc, eh bien déjà, bonsoir à tous, messieurs. Nous en étions à... il y a quelqu'un qui a paru en Roll20, si jamais. Ah. Alex, est-ce que tu peux monter en... Il y a que moi qui l'entends faible ou pas? Alors, gère le son du... Tu parles du bot? Moi, j'entends bien. Non, je parle d'Alex. Ah ouais, ah, Alex, moi, je l'entends très très bien. Ouais, pardon, pour une fois. Ah. Ça va. Parle un peu, Alex, fort, juste. Oui, bonjour, messieurs. Moi, je t'ai bon, bien. Moi, vous m'entendez bien? On t'entend trop bien. Les détails de tes vibrations rotales. Donc, les aventuriers sans nom, vous étiez rendus devant le donjon d'Armetra, où vous avez trouvé... Ouais, excusez-moi, on peut ça, juste 5 minutes. Je vais rentrer. Bon, comme Mathieu part, je vais aller me chercher un verre d'eau, parce que sinon ça va être mal pris si je vais chercher de l'eau un peu juste après. Toi, t'as le droit, t'es un héros, Jérém, mais... Ouais, c'est ça. Vous voulez voir la bite du héros? Ah, pardon, oula. C'est comme les boss de Bossu, ça porte bonheur, montre. Oh merde, il est parti. Tu le savais très bien qu'il était parti. Non, je regardais pas, je regardais ma son. Ouais, comment ça va, vous deux, les petits loustiques, là? Pas mal, pas mal. J'ai...
Mathieu. C'est pas en live sur Twitch. Tout est bon. J'étais mute. Ah, bon, tant mieux. Ok. Sur mes lèvres. Bon. Non, t'as pas, y a pas la cam. Ok. Donc, les aventuriers sans nom, vous étiez devant le donjon d'Armetra. Sur vos traces, vous étiez en train de remonter un petit peu la piste vers Corios l'Enclume, quand vous êtes tombé sur son château. Vous avez retrouvé là-bas trois gardes un peu peureux, qui étaient en train de nettoyer le donjon apparemment. Et vous avez retrouvé aussi une cinquantaine d'esclaves enfermés là, qui vous ont interpellé avec véhémence, j'aurais dit. C'était chiant. Et vous traitant d'assassins à cause de vous, ils ont. Oui, c'est ça. Ils étaient surtout rancuniers. En fait. Oui, parce qu'à cause de vous aussi, à cause de vous, qu'ils les avaient pas libérés apparemment. Avant, ils ont dû se s'entre-dévorer, enfin bon, des scènes inimaginables. Et vous étiez du coup devant le donjon d'Armetra, la moitié des esclaves ont commencé à repartir vers chez eux. L'autre commence à s'agacer un petit peu devant vous. Et je ne sais plus où on s'était arrêté exactement, je crois qu'on n'était pas loin de là. On a décidé du sort des geôliers et on n'arrivait pas à décider. J'avais proposé, il me semble, un compromis. Parce qu'il y en a, ils voulaient zigouiller les geôliers. D'autres voulaient les laisser tranquilles. Il me semble que c'était, je sais plus. Je crois moi, je voulais les laisser tranquilles. Ouais. Moi, j'avais proposé de faire un compromis entre ces deux avis un peu extrêmes, peut-être. Et de les mettre dans une cellule. Tout simplement, de les fermer dans une cellule. Jusque-là, c'est les paroles les plus sages qui ont été prononcées, je pense. Et alors, je vais te rejoindre. Peut-être une proposition qui pourrait être un peu bizarre, mais. Qui nous accompagne jusqu'à la ville et qu'on les remette aux autorités tout simplement. Bah c'est les amener vers la mort aussi hein, quelque part. Ouais mais après ça peut être des otages, ils peuvent être rançonnés tout ça, ça peut être intéressant. Non, ils sont trois, on est quatre. Bon c'est vrai que ça fait sens. C'est compliqué en termes d'otages. Non mais c'est pas une mauvaise idée, hein. Je suis pas fermé à cette idée là, hein. Loin de là. Hein. Ils sont très costauds hein, je crois de souvenir, non? Les otages? Des barbares, non? Ce sont des guerriers de nature un peu barbares, oui. Après, ils ont peur de nous. Des maraudeurs. Ils ont peur. Ouais, mais ils vont peut-être pas avoir longtemps. Est-ce que dans leurs yeux, c'est de la peur ou est-ce que c'est un choc? Tu saurais pas trop dire. Ok, parce que c'était rendu tout de suite, à me souvenir. Oui. Bon, après, t'as raison. Peut-être qu'il vaut mieux les enfermer. Je vais dire une connerie, hein, mais si vous leur expliquez votre petit problème de mémoire, là, tout simplement, peut-être qu'ils sont capables de comprendre, non? Moi j'ai peur qu'ils veulent prendre le. Ouais, j'ai peur qu'ils prennent le dessus en voulant. Enfin, c'est admettre une faiblesse pour le moment. Ils sont... Parce que si on dit qu'on se souvient de rien, au fond ils peuvent inventer un peu tout et n'importe quoi et avoir un moyen de pression sur nous et nous casser les couilles. Hein. Parce que là on a l'ascendant quoi. Après. Je crois pas qu'ils aient un quelconque intérêt à vouloir nous casser les couilles. Hein. Ils ont juste le seum contre vous parce que vous avez fait des dingueries, mais. Non, les geôliers. Non, je parle des geôliers ou des otages. Ah non, moi je te parle des otages. Ah non, d'accord, excuse-moi. Ah oui, non, on parlait des geôliers là. Parce que les geôliers, on a dit qu'ils allaient être otages peut-être. Alors du coup, moi ça m'a. Oui, voilà, c'est ça. Les geôliers, on les bute, on les met dans une cellule, on fait son. Translation. Écoute, on vote maintenant, je rétracte mon choix, je rejoins Albert et je vote pour la cellule. Je rejoins Albert également. Oui, bah je rejoins le groupe. Très bien. Content de briller tel un soleil et de vous éclairer. Donc vous décidez de mettre ces trois maraudeurs un peu penauds dans une cellule. On leur laisse un peu de nourriture quand même. Vous leur laissez un peu de nourriture. Il y en a de la bouffe. C'est fort aimable. Pas énormément. Ça vous avez payé suffisamment cher ma brioche, je vais la garder. Vous avez croisé une cuisine et je vous rappelle qu'il y avait un warg dedans. Ouais, je vois ce gros point qui n'attend qu'une chose, c'est de se battre avec nous alors qu'on a. Il faut le mettre dans la cuisine. Non, question. Les est-ce que vous mettez les trois geôliers dans la même cellule? Vous leur enlevez leurs équipements? Qu'est-ce que vous en faites exactement? Ils ont déjà enlevé leurs armes. Donc oui. Ouais. Ah, moi, je pense que faut peut-être les fouiller. Hein. Ils ont peut-être des trucs sur eux. Ouais. Ah oui, moi, je pense les fouiller. C'est chacun dans une cellule, hein, je pense. Hein. On les laisse juste avec un peu de tissu sur le corps et puis c'est tout. Hein. Un slip, quoi. Ok. Ouais. On leur demande quand même de baisser leur slip pour voir un peu.
cette humiliation, genre, Grado. Je peux juste voir j'insiste vos pas à cette scène. Très bien, ouais. En les fouillant, vous trouvez des armures de cuir avec des rembourrages en fourrure. Donc c'est des armures plutôt, plutôt chaudes, faites pour la neige et le froid. Ils ont leurs vêtements sur eux, donc pantalon de tissu, chemise en tissu. Y en a deux qui ont une épée, donc vous trouvez deux épées correctes, et une hache à une main. Ok, alors la question que je peux poser aux coéquipiers, c'est est-ce qu'ils comptent faire quelque chose de ces épées ? C'est des épées, si je les regarde un petit peu, c'est... Tu vois que c'est des factures simples. Ouais, c'est vraiment très gros, très très grossier. La qualité en dessous, c'est une qualité d'orc. D'accord, oui, donc c'est de la merde. Non, moi ça m'intéresse pas. Moi non plus, je ne saurais quoi. Et guenilles de barbare. Hein. Bah, moi je veux bien les prendre si ça pèse pas trop lourd pour pouvoir potentiellement avoir juste de quoi des outils quoi, des voilà, des outils à la con pour faire forger du métal ou pour en faire autre chose quoi. Tu peux effectivement prendre les deux épées à une main et la hache à une main. Une arme du même type de plus ou une pièce d'armure et tu veux commencer à être très très lourd. Ouais, ça pèse un peu quand même. Ouais, ok, donc deux épées un peu grossières. Vous savez ce qu'il nous faudrait ? Une mule. Je suis étonné que vous parliez de ça, Joseph. Oui, moi je pense que le souvenir est un peu tôt. Ne remets pas le couteau dans la plaie. Mais pour transporter toutes vos cochonneries, ça serait pas mal. Tant le couteau que vous remuez, c'est le vôtre. Moi, je me rappelle d'une époque où vous vouliez chevaucher le warg. Oui, je pense que je me suis ravisé. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Pourquoi une mule pour porter des affaires ? Oui, voilà, une mule pour nous tous, quoi, tout simplement. Pour nous tous ou pour vous ? Pour nous tous ou pour toi ? Pour nous tous, moi je me trimballe rien sur moi, qu'est-ce que vous voulez ? Ah oui, tout était sur le cheval. Et voilà, donc je suis pas trop inquiet. Pardon, non, désolé, c'est juste pour me rafraîchir la mémoire, il y a rien de plus. Oublie tout ce que j'ai dit sur la mule. Les amis. Est-ce qu'on pourrait pas te fabriquer un sac de fortune que tu puisses ou même chercher un sac ? Il a un sac à dos. Il a un sac à dos, oui. Je considère. Oh bah j'ai rien dit alors. Okay. Il a perdu juste le plus important. C'est vraiment. C'est genre tout de magie. Tout ce qu'il devrait y avoir dedans. Ok, parce que là j'étais en train de me dire, là ce serait peut-être le moment de te restuffer un petit peu si vraiment t'as plus rien ou pas. Bah je vais demander aux gardes s'il y a une bibliothèque ou en fait ce qu'il y a en fait dans le donjon. Qu'est-ce qu'il y a comme pièce ? Oui, c'est vrai. Dedans, qu'est-ce qu'ils ont ouais. On a pas mal de zones d'ombre dans le donjon au fond, on sait pas trop ce qu'il y a donc on peut peut-être leur demander des petites précisions. Il y en a un qui s'avance vers la grille. Qui entend ta question et qui dit « Moi, je veux bien vous répondre, mais si vous me laissez partir, je vous jure que je ne ferai pas d'ennui. Je partirai et je vous dirai tout ce qu'il y a. » Est-ce qu'on leur a déjà donné de la bouffe ou pas ? Oui. Non, pas. Non ? Toi, t'as dit, vous m'aviez dit ça, mais... Ah bah non, vous en avez pas. Vous en avez pas, de toute façon. On en a un peu. On oui, moi je pourrais donner un peu des miens, mais bon, je veux garder. Ouais, je donner une brioche, moi j'ai 5 brioches. Non, on avait distribué un peu de bouffe au clodo, aux autres clodo. Ah bon ? Non, mais attendez, oui, ça me dit rien. Moi je suis pas un expert en instruments de torture, hein, vous l'aurez deviné. Ne pas les tuer, les mettre dans une geôle et attendre qu'ils meurent dans la geôle, est-ce que c'est pas la même chose ? Alors non, parce qu'on va revenir. On va revenir quand ? Ah oui, on va revenir avec les forces de la baronne, non ? Pour saisir le château. On va saisir le château là. Bah, le but c'était qu'elle attaque le château et qu'on fasse nous du repérage. Si le château est vide, bon, elle a juste à le prendre et merci, au revoir. Le but c'est qu'on fasse du repérage, elle a jamais parlé de reprendre le château. J'ai toujours d'ailleurs un pigeon voyageur entre guillemets pour donner les instructions. Là, en train de faire tout le boulot, mais j'ai toujours un pigeon voyageur. Bah attends, elle voulait du repérage et elle veut pas se saisir de la forteresse, ça me paraît quand même. Elle l'a pas dit, après peut-être, mais moi j'ai l'impression qu'elle voulait savoir ce qui s'y trame déjà, surtout. Oui. Il y a 50 témoins dehors qui attendent de tout lui raconter. Parce que nous... Ah oui, c'est ça, pardon, je remets un peu les wagons là, mais le pigeon voyageur, on avait hésité fortement, je me souviens la dernière fois, durant notre réflexion, de savoir quel message on envoyait. Est-ce qu'on on faisait partir les gens le peu de gens qui étaient restés là, parce que je crois que la moitié était déjà partie dans les montagnes, mais la moitié qui était là, est-ce qu'on les faisait rejoindre par exemple le pont pour que l'armée en fait de la duchesse vienne pour les aider entre guillemets à mi-chemin ou un truc comme ça parce que moi c'est ça que je voulais faire, ces gens-là au moins les escorter.
Pas les laisser tout seuls dans la montagne comme ça, au moins les escorter. Ou peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est que nous on occupe le château pendant ce temps-là, on envoie le pigeon, elle arrive avec son armée, elle s'occupe des... Oui, c'est ça. Mais il faudrait les tenir et qu'ils restent ici, parce qu'ils sont déjà en train de se barrer en fait. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein. On n'est pas non plus... On va envoyer des pigeons qui vont expliquer des trucs à des princesses là. Vous êtes au courant, vous, de ce que vous avez fait ici? Non, mais c'est pas la question. C'est la question. Si, moi je n'avais pas idée de ce que vous avez fait ici. Si, je pense qu'on a commis un crime de guerre, mais bon, après... voilà, on pouvait hésiter d'en parler. Alors, si vous en parlez pas, vous inquiétez pas que les 50 otages, ils vont s'en charger. Hein. Ils vont tout raconter à la princesse. Oh putain, faut rattraper tout le monde et les buter. Ah, ouais, non, rebuter personne. C'est ça que tu veux faire. Moi, je pose la question, c'est tout. On va buter personne. Et de toute façon, les otages, on n'a pas commis des crimes de guerre contre eux. Ok, on les a laissés sans nourriture. Mais je pense qu'on avait de très bonnes raisons à l'époque. Et tu sais pas ce que t'as fait. Ça ressemble à un crime mais, oh, non, de mais guerre. Non, mais si, en fait, on les a pas aidés. Globalement, c'est ce qu'ils nous reprochent, c'est qu'on les a pas libérés. Mais c'est on peut dire que c'était stratégiquement pas le moment et qu'on l'a fait. Bah, on était sur la piste de reliques. On faisait des trucs. Voilà. On faisait des trucs. Oui, voilà. Après, on n'a pas à justifier tout ce qu'on a fait. Non, en vrai, je fais des blagues, mais je pense que Elisa a tout à fait raison. C'est que c'est vrai qu'ici, nous avons l'air d'avoir fait pas mal de choses. Et de ce que je me souviens, on leur a posé quelques questions, mais on n'a pas été peut-être au fond du sujet. Après. Ben oui, mais moi je voulais en choper un qui nous explique exactement ce qu'on a fait parce qu'il disait. Mais moi je pense qu'on peut les amener à vers de la nourriture en mode tu me dis ça, t'auras peut-être de la bouffe, enfin on peut peut-être négocier ça. Oh, on en dresse un, puis voilà. Ou alors, tu nous dis ça, sinon on te met dans la cuisine avec le warg. Alors, c'est plus drastique, mais déjà qu'ils nous aiment pas, ils vont encore déjà moins qu'on a nous déjà aimer. Fait un crime de guerre, en faire deux on autres. On va peut-être pas en faire deux. Alors, vraiment, j'aimerais qu'on arrête d'être si déshonorable. c'est quand même des pégus. Mais moi, j'ai pas fait de crime de guerre, je vous rappelle. Hein. Mais c'est pas une raison de commencer. Oh, hein. Oui, c'est pas pour pas suivre notre exemple. Hein. On vous montre ce qu'il faut je pas faire. Je sais que nous admire énormément, bizarre, mais ne suis pas ce chemin. Vous voyez bien qu'on est complètement paumé. Enfin, je veux dire, faut être honnête, à un moment, moi-même, j'aime pas dire ça, mais là, on est un peu paumé, quoi. On est paumé, et est-ce qu'on peut être tenu responsable d'actions dont on ne se rappelle pas? Franchement, je dirais non. Bah, devant un tribunal, ça peut se défendre, mais bon. Non mais on dit que stratégiquement c'était pas le bon moment pour les libérer la dernière fois, que c'était il y avait un risque sécuritaire pour eux, de toute façon c'est des pélos, ils vont rien comprendre à ce qu'on dit, et voilà, devant la baronne on dira juste que c'était pas le bon moment et qu'on les a libérés après, et puis voilà. Bon, déjà est-ce qu'on sait d'où viennent tous ces esclaves? Oui, ils ont été capturés dans des raids par les barbares tout autour. Dans mes souvenirs. C'est les mecs du coin. Hein. Ouais, donc c'est vraiment que des mecs du coin, quoi. Ils peuvent dire des trucs de ouf sur nous, genre dans toute la région. Mais sur nous, qu'on a été des chiens, qu'on les a abandonnés. Maintenant, on les a libérés. Qu'est-ce qu'ils nous veulent de plus à la fin? C'est ça. C'est bon. Ils peuvent nous en vouloir pour le cannibalisme après. Bon, c'est pas nous qui les avons mangés. Attends, mais il s'est passé combien de temps? Parce qu'ils ont, ils sont mis rapidement à bouffer des gens, quand même. Je pense que c'est vraiment passé longtemps. Deux semaines? On se souvenait pas des deux dernières semaines. Ah, ok, peut-être deux semaines, ouais. On se souvient pas des deux dernières semaines. Ah, deux semaines. Oui, en vrai, oui. Ah, deux semaines, je trouve qu'ils ont pas beaucoup de volonté. Hein. Moi, je pense qu'on mais disons qu'ils pourraient être tenus responsables aussi de leur propre cannibalisme, hein, parce que c'est pas quelque chose de très très deux semaines sans manger, ça te pousse pas à manger quelqu'un. Ah, trois semaines, je dis pas, mais. C'est vrai que vraiment ils sont allés très très vite. Vous vous défendez de quelque chose que vous savez même pas que vous avez fait. Non mais on voit la finalité, c'est pas quand même beau à voir. J'ai jamais manqué de rien, à vrai dire, j'ai mangé toujours à ma faim, mais je pense que vraiment deux semaines ils abusent. Moi je trouve qu'eux ils exagèrent parce qu'on a justement rien fait, c'est bien ce qu'on nous reproche. Ah là on est vraiment en train de se retourner la tête en disant que c'est de leur faute à eux. Ah ouais, ça commence c'est ce qui est en train de se passer là. Ouais. Je vais me désolidariser de ce groupe parce que là ça commence à être un peu grave. Non écoutez, je propose. Qu'on questionne un peu ces mecs-là sur effectivement ce qu'il y a autre chose dans ce château en termes de pièces, de trucs à trouver, parce que mine de rien, Elisar a raison, c'est vrai on ne connaît pas la plupart de ce qu'il y a dans ce château, enfin du moins on s'en souvient plus. Et je me vois pas personnellement laisser ces pauvres gens dehors, je veux dire, sans qu'on te dise à la duchesse qu'il y a des gens à récupérer et à sauver. Là ils sont toujours là? Il y en a la moitié qui sont là, les autres ils sont vraiment partis. Donc, alors ce que je propose, c'est que on questionne les gardes. Voilà. On leur promet de la nourriture s'ils nous donnent la réponse. Deux, on va tuer le warg pour avoir de la nourriture. Et on propose aux blessés et tout ça de venir s'abriter dans le château et on envoie une missive à la baronne. Ouais. On peut faire ça. Moi ça me convient. Bah le warg, ce serait bien de le buter qu'il nous donne accès à la cuisine quand même. Parce qu'on est en plan dèche là.
Puis si on laisse des gens sur place, mieux vaut qu'ils puissent se nourrir, parce qu'ils vont recommencer à se bouffer dès qu'on va avoir le dos tourné. J'aimerais bien préjaser, mais... Hein ? Qui a vu le warg ? On l'a pas vu, on l'a entendu. Moi. Oui. Non, moi je l'ai vu. Ah oui, non, c'est vrai, t'étais rentré, c'est vrai. Il y a eu des réticences... Est-ce que tu peux nous le décrire ? On a fait des PTSD transdimensionnels. Taille. Ça... Je peux vous le décrire. En termes de taille, C'est une bestiole qui fait à peu près 2 mètres de long. C'est très très gros, ça fait la taille de la hauteur d'un cheval à peu près. Mais c'est très trapu, très musclé, avec une énorme gueule, le double voire le triple d'une gueule de loup. Voilà. Je vous rappelle qu'on a bégayé devant un vieillard. Oui, mais attention. Non, c'était un magicien surpuissant. Non, arrête. Un magicien. Attendant, il y a des barbares qui arrivent à les chevaucher, les wargs, donc ça doit pas être si. Oui, ça se trouve, c'est très con comme bestiole. Hein. Oui. Attends, je vais leur demander, tiens, barbare. Comment fait pour les dresser, les wargs ? T'as le même mec de tout à l'heure qui te dit moi, je veux bien vous montrer comment le dresser, mais vous me faites sortir alors. Bon, vas-y. Oula, non, oula, mais, oula, non, mais oula, attendez, oula. Oh. On va arrêter de prendre des décisions solo. Oui, ouais. On en discute tous ensemble. Parce que ça se trouve, une fois qu'il sera sur son warg, il va nous défoncer. Hein. Okay. Oui, il a juste un mot à dire à son warg et il bah oui, c'est bon. Mais non, parce qu'ils sont coincés hors de la cuisine. C'était son warg, il aurait pu rentrer. Ils sont en train de crever de faim aussi comme des cons. Oui, ça pour le coup, je suis d'accord. Les gardes donc, s'ils pouvaient contrôler le warg, il l'aurait fait. Le warg, il est dans la cuisine, mais ça a l'air d'être le bordel. Parce que c'est nous qui l'avons enfermé. Ça, je m'en rappelle, ça y est, il nous l'avait dit. Qu'on l'avait enfermé et ils sont bien emmerdés parce qu'ils n'arrivent pas à se dépatouiller avec ça. C'est vrai. Le warg, ça fait 2 semaines qu'il est dans la cuisine, ça doit bien puer là-dedans. Ah ouais, mais s'il savait le faire, il l'aurait déjà fait. Il est con aussi. Oui, bah écoute, peut-être qu'il va se faire bouffer, on verra. Il est pas mort le warg ? Non, on l'a entendu, il l'a vu. Mais ça tient combien de temps sans bouffer ces trucs-là ? Il doit être bah, ça bouffe il a peut-être de quoi bouffer dans la cuisine. On va voir qu'il mange des morceaux de fromton et du saucisson. Oui, c'était moi, bizarre, je savais pas que vous étiez expert d'alimentation des wargs. Il est peut-être dénutri, mais bon, il tient quoi le truc. Oui, voilà, c'est ça, il est peut-être un peu affaibli, mais. Attends, attendant, il nous bouffe les wargs, non ? Comment ? On sait ce que ça bouffe un warg ? Si c'est carnivore. Vous savez que c'est carnivore, oui. Non, ça mange que des oignons. Vous savez que, oui, voilà, ça n'a pas le régime alimentaire d'un diplodocus, ça c'est sûr et certain. Bon, en attendant, le garde, il se propose d'aller nous aider à le dresser. S'il se plante, il se fait manger. C'est quoi encore le souci ? Mais il y a tellement d'inconnus à ce que vous dites, faut faire un petit plan. Mais l'aventure, c'est l'inconnu ! Non, par exemple, sauter dans un gouffre, c'est l'inconnu. C'est pas ça, non. Là, ce qu'on demande à un mec qu'on a piégé, qui veut juste sortir de sa cellule, il nous dit ouais, je sais dresser un warg alors qu'ils ont laissé le warg dans la cuisine. D'accord, oui, je suis d'accord avec toi. Une fois pour toutes, dis-lui de nous donner une réponse, sinon on le tue et puis on en parle plus, non. Oui, voilà, il y a un moment, je suis assez d'accord avec Elisa. Moi, je suis marchand à la base, mais là, on piétine. Non, mais c'est juste, et déjà, demander peut-être des trucs sur le château, des petits trucs comme ça, déjà dans un. Joli, Elisa. Me demander comment il va. Je suis marchand, mais là on piétine. Oh, j'avais pas vu celle-là. Elle est bien. Très joli. Ah, pas mal, ouais. Oui, bah écoutez, voilà, on va la demander sur le château. Bon, je vais dire. Bon, messieurs, je parle aux trois connards, hein, je précise. C'est nous les trois. Bon, messieurs, connards. Nous aurons pu. Non, les autres. Non, les autres. Oui, c'est vrai. Oui, pardon, les trois mecs. Pas confusion. Désolé, oui, non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà, messieurs, il va falloir vous donner toutes les informations dont vous disposez. Nous serions peut-être dans la possibilité de vous aider quand même quelque peu à survivre dans ce château. Tu prends trop de pincettes, Albert. Il va falloir être concis. Voilà. Oui, il va falloir pas dire de conneries, sinon on crame. Et moi, je fais brûler un petit peu ma main et je fais bon, là, clairement, vous allez cramer si vous. Bah, les trois ont vraiment l'inquiétude qui peut se lire sur leur visage. Ils se regardent tous les trois, ils se disent mais oui, on vous propose ça, nous on veut bien vous aider, si vous nous laissez partir, il n'y a pas de souci, on peut vous aider. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. On verra pour la suite sortir tout ça, déjà faut répondre aux questions. Déjà première question, et si vous échouez, il y a moyen que l'homme ici présent à côté de moi, je vous crame tous. D'accord ? Vous êtes prêts ? Bien sûr, oui. D'accord, comment je m'appelle ? Vous ne l'avez pas dit. Tu vois qu'il regarde un de ses potes derrière. Tu sais comment il s'appelle mais... Non, c'est pas Alfred. Et là, je leur montre bien mon visage. Je fais, est-ce que vous savez qui je suis? Oui, vous êtes Alfred Billy Boy.
C'est presque ça, c'est presque ça, c'est presque ça, Albert. C'est ça. Bon. Je sais pas si je dois. Peut-être on en brûle un sur deux, je sais pas. Mais oh, arrêtez de vouloir brûler des gars, hein. Je sais pas. Priez, laissez-nous sortir, bon, on peut vous aider. Oui, bah vous allez nous aider, mais bon. Falloir réfléchir un peu plus parce que là, déjà, une question simple, vous y êtes pas arrivé. Déjà. Donc ça commence très très mal. Dites-nous tout ce que vous savez sur le château, sur les pièces, sur les emplacements. Allez-y, on d'accord. Vous écoute, c'est maintenant. Alors, bon. À côté de la cuisine, il y a un réfectoire. Ensuite, plus au nord, il y a les lits, il y a les dortoirs. Vers le nord-est, il y a un bureau. Et ensuite, il y a un couloir qui mène au bastion de Corios. Et alors là, bon, bah, il y a quelques cellules. Il y a le rangement, il y a le stockage. Qu'est-ce que vous y stockez ? Des provisions, des armes, des armures. Et il reste des pièges. Tu vois qu'il regarde un de ses potes derrière, et son pote il le pousse de l'épaule comme ça, genre oui oui vas-y. Et il te répond oui, enfin il y a un petit piège à la porte, à l'entrée du pont pour aller vers le bastion. C'est une énigme, mais Corios nous l'a jamais donné, donc. Voilà, c'est juste qu'il y a une énigme, mais on sait pas comment y aller. On n'a pas le droit d'accéder au bastion. Vous êtes jamais au bastion. On n'a pas le droit d'accéder au bastion, c'est uniquement Corios qui nous ouvre. C'est quoi l'énigme? Ah bah ça, on n'en sait rien. Vous n'avez pas la réponse, mais c'est quoi l'énigme exactement? La moitié d'entre nous savent pas lire, donc. J'en connais un qui va aller nourrir le warg là. Et le piège, c'est quoi? Corios nous a dit que ça pouvait être une grande malédiction sur plusieurs générations. Donc, ça nous donne pas trop envie de lire. Hein. Et il est où le Corios là? Corios, on vous a dit l'autre fois, il est parti à Midankar assiéger la cité parce que. Oui, bah ça va, je sais. Pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on il va aller poser la question de l'énigme et puis il va nous la gueuler et puis on verra bien ce qui se passe. Mais je sais pas lire. Vous savez lire vous? Bah non. Non, moi non plus. Oh putain. Ouais, non, on est désolé, mais. Ah, on n'est pas aidé, hein. Vous savez lire, vous peut-être. Les gens qui ne savent pas lire, c'est vraiment un scandale, hein. Non, mais Ash, franchement, c'est juste pour aller lire des énigmes, je peux m'en occuper. Moi, j'aimerais bien savoir comment on doit se le problème, c'est que si tu réponds mal, ce serait con que ce soit toi qui sois maudit. Je préfère maudire un de ces Écoute, il faut être aventurier un peu. L'honneur, ça s'obtient dans le danger. La seule aventure que tu veux, c'est pour toi-même, pour pouvoir chevaucher un warg. Ça nous apporte rien, nous. Bah, attends, là, je veux rentrer dans le bastion, ça parle pas de warg. Non, bah écoute, vas-y, mais moi je crains pour ta vie, hein. Désolé, hein. Moi, crains c'est un pour toi. Hein. Donc, dernière question, comment on fait pour chevaucher le warg? Pour le dresser? Chevaucher le warg, je sais pas trop, c'est les généraux de Corios qui s'en occupent de ça. Bah, vous avez jamais vu des gens le faire, comment ils font pour les apprivoiser? Ah, si, ils montent dessus, et les wargs sont pas trop agressifs avec nous, enfin, on s'en approche pas trop, mais. Bon, j'imagine que pour le dresser, vu que ça fait longtemps qu'il a pas bouffé, faudrait lui donner de la viande, quoi. Ça devrait l'amadouer. Des otages, par exemple. Non, plutôt. Des prisonniers. Non. Merde. Vous voyez très bien ce que je veux dire. On va arrêter de martyriser ces pauvres tous, et puis on essaie d'aller voir dans ce bastion. Oui, merci pour votre coopération, messieurs. Ouais, on peut sortir du coup. On verra. Non, mais vous serez nourris. Ah ouais. Pour combien de temps? 3 jours. Oh. Laissez au moins un de nous sortir. Ouais, moi. Non. Non, retournez dans vos cellules. Là. Allez, on trêve de ces plaisanteries. Là. On n'a pas que ça à foutre. Vous êtes des monstres. Ouais. Vous avez pas de parole. Je referme derrière eux. Donc chacun dans une cellule. On n'a jamais dit que vous alliez. Tu veux les mettre chacun dans une cellule séparée? Oui, je pense que c'est mieux. Ouais. Ok. Ils vont se bouffer entre eux sinon. Ouais, c'est ça. Bah, ça au moins ça sauverait. Hein. Ouais. Si, je suis désolé, ça a marché pour les autres. On va leur éviter ça. Vous nous voulez la mort. Ils ont commencé à se bouffer entre eux au bout de 2 semaines comme ils abusent. Hein. Ils sont les insultes et tout, c'est bon là. Hein, c'est ça va. Merde. Bon, allons visiter ce château, regardons là le c'est quoi bon, il a dit le bastion. Le bastion, ouais. Allons voir le bastion. Non mais faisons aussi les salles annexes, moi je veux voir ce qu'il y a dans l'entrepôt. Ah oui, bien sûr, ouais. Bah, l'entrepôt il est pas dans le bastion. Et, si, j'ai cru comprendre ça, moi. Non, le réfectoire.
Oui, pardon, hein, le réfectoire, tout à fait. Ah, ah oui. Attends, c'est relié avec le warg? Non. Non. Je sais pas, la cuisine, dites-moi, pas le dites-moi ce que vous voulez voir, pointez la pièce, bougez vos celle-là. Pions surtout. Et, J'arrête pas de le. Ok. C'est ouais. Bastion, ça, on est d'accord? Non, non, ça c'est le réfectoire. Ah, pardon, d'accord. Je croyais que le réfectoire c'était là. Vous... C'est ok. Vous entrez dans le réfectoire, vous voyez du coup des vieilles tables et des vieilles chaises, quelques assiettes vides, et vous voyez une porte au fond, à côté de l'âtre de la cheminée. Oui, c'est la porte de la cuisine. Okay. Quelle taille la porte? Une petite porte où on peut passer à une personne. Est-ce que le warg ne peut pas passer de ce qu'on a vu? Elle est en bois la porte? La porte est en bois. Et le warg pourrait passer dessus, dedans. Ouais. Oui, c'est, ah ouais, parce que c'est foutu comme un cheval, quoi. C'est 2 mètres, mais pas plus large que. Oui. Ouais. Plus large que. Il y a rien de spécial dans la pièce, pas de bouffe qui reste, rien du tout. Malheureusement, pas de bouffe qui reste. Toutes les assiettes sont vides. Ok. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des couteaux de table? Oui, il y a des couteaux de table. Oui, oui. Il y a des fourchettes. Affûtées. Comme un couteau. Comme un couteau de beurre. Je vais récolter couteau, tous les couteaux de table, je vais m'en faire des couteaux de lancer. Ok, t'en as 3. Faire... Ok, donc je me prends 3 couteaux que je me mets dans la poche. Et okay. Je pense que le warg va bien aimer que vous jetiez des couteaux au beurre au village. Non, non, mais je vais pas le faire maintenant. Il va cesser d'être désagréable celui-là. Bon, ouais, il ramasse des couteaux, merde. Restez discret. Pourquoi rester discret? Parce que rien warg. Bon. Et du coup, ici, c'est quoi, là? Alors, ici... Le warg, il sait pas ouvrir les portes. Oh. Vous voyez un long couloir. Merde, avec son warg. Donc c'est ça, le long couloir avec la malédiction. Qui mènerait au bastion. Ouais. Allez-y, Joseph, puisque vous êtes si sûr de vous. Il y avait une porte, là, excuse-moi. Oui. Ah, ah bon, oui, je moi, veux bien... quand même, hein, je veux bien voir, oui. Oui, oui. Tu en trouves... Tu ne vois rien, la pièce est éclairée et il n'y a pas de bruit dedans. Tu vois une pièce avec un autel, avec un livre dessus et deux autres portes en face de toi et sur ta droite. Je vais regarder le livre, mais vu que je sais pas lire, j'appelle Joseph et Albert. Bah, je suis à côté, donc vas-y, j'arrive, je regarde avec toi. Les gars, j'ai mon Roll 20 qui bug, ça me casse les couilles. Ah, merde. Ah, qu'est-ce qui se passe? T'as pas ton perso, tu peux pas l'utiliser? Je sais pas, le truc bouge tout seul, j'arrive à rien faire. Ah, j'ai rechargé la page. En double clic ou je sais pas, non? Est-ce que c'est toi qui contrôle le perso? Oh. C'est bon, ça c'est débloqué. Ok. Ok, c'est bon. Okay. Le livre Joseph, tu le reconnais, tu vois dessus le nom du livre s'appelle Spéciste et fier. Ah. Okay. Ça ressemble à un livre de sur des codes un peu politiques, sociaux. Ça ressemble à un livre de politique en fait quand tu le feuillettes comme ça. Ah, moi ça m'intéresse, ça me dérange pas si je le prends. Non, bon, non, vas-y. Hein. Bon. De toute façon, on peut en faire grand chose. Hein. À part des exercices de lecture. Je vous lirai à l'occasion. Spéciste et fier. C'est con. Bien. Et moi, pendant qu'ils attardent sur le livre, j'avoue. Ça, je le prends du coup. Okay. J'ouvre les portes si je peux, les deux portes que j'ai vues, celles qui étaient en face de moi. La porte que je regarde les portes avant s'il n'y a pas des pièges. La porte qui est en face de toi s'ouvre sans encombre et tu y découvres un dortoir avec un petit coffre. Il y a même deux petits coffres. Si j'arrive à pinguer, et ben je me rue. Voilà, et là. Là, exact. Voilà, merci. Moi, je vais voir l'autre coffre et je regarde s'il n'y a pas de dispositif dessus, de piège ou des conneries. Je ziote. Ok, fais-moi un jet. Ouais. Un jet de. Ce sera un jet de quoi, du coup? Ça passera, à mon avis. Ouais. Tu vois qu'il n'y a pas de mécanisme caché. Tu peux ouvrir le coffre sans problème. Et tu peux me lancer 2d20 sur la table du loot. Un 8 et 4. Et un 4. C'est inversé ou c'est le vrai? Comment? J'ai fait 8 et 4. C'est inversé ou c'est le vrai truc? Comment?
Là c'est le c'est la table c'est du le vin, c'est de l'autre, la ouais. table du loot, ah, oui. Ça veut dire que c'est le taux de rareté. D'accord, donc c'est nul à chier ce que j'ai, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que je trouve? Tu trouves un des 6 pièces d'or, ainsi que ok, 5. Bien. Enfin, un partage égal, évidemment. Oui, ce serait pas mal. Moi, j'aimerais bien ouvrir. On verra après. Et tu trouves une petite fiole. C'est vraiment une fiole de la taille d'un pouce. Où dedans, il y a un liquide clair qui ressemble à de l'eau. D'accord. Je peux le mettre à la lumière. Il y a des bougies, je suppose, le mettre à la lumière comme ça. Tu le mets à la lumière. Regardez. Et tu vois que le liquide est vraiment très clair. Vraiment à l'œil nu, rien ne paraît. D'accord, je vais l'ouvrir, je vais juste sentir. Alors je vais pas me le coller dans le pif, je vais juste ouvrir et sentir si je sens pas un truc. Tu sens que ça sent une odeur très forte, presque une odeur un peu piquante, mais qui est pas forcément désagréable. C'est une odeur. Tu sens que c'est quelque chose fabriqué. Ouais, on pourrait associer ça un peu. Ouais, de l'alcool, ouais, genre. Ouais. Un genre d'alcool, ouais. Ça te fait penser à de l'alcool fort. Albert, est-ce que je peux voir ça? J'ai des compétences en alchimie. Et peut-être que je peux vous dire ce que c'est. Oui, je vous en prie. Faites-nous partager notre savoir. J'essaie de sentir, de voir le liquide tremper un peu mon doigt dedans, voir si. Non, mais commencez pas à foutre votre doigt dans la fiole, merde. Je vais regarder. Tu fous ton doigt dedans et tu te rends compte que c'est vachement con parce que ça aurait pu être de l'acide sulfurique. Et pile quand tu ressors ton doigt, il ne se passe rien. Et tu reconnais cette odeur, et c'est une odeur de produit chimique qui est associée à une drogue forte. Ah! Du coup, je leur explique ce que c'est. C'est du poppers. Je vous le rends, Albert, écoutez, faites-en ce que vous voulez au bon usage. D'accord, de la drogue. Bon, bah. On pourra s'amuser si vous voulez. Non, si vous ne savez pas quoi en faire. Je saurais le revendre à un drogué. Ouais, je vais le prendre et vous me faites peur. Est-ce qu'elle a un nom cette drogue? Est-ce qu'il y a un nom que je peux mettre dessus? Est-ce que c'est une drogue particulière ou juste c'est un truc apparenté à quelque chose? Je vais laisser le soin à Joseph de la nommer. Ah. La drogue du violeur. Oh non. C'est le courage des pleutres. GHB. Donc petite fiole de... Donc du CDP. Courage... du CDP, courage des pleutres. Une fiole de CDP. Beaucoup d'énergie, ouais. De courage dans les moments où vous en manquez. Et vous voulez pas qu'on en prenne tous une goutte, là? Non, merci. Je n'ai pas besoin de courage. Alors déjà, vous me laissez ma fiole. Il a déjà mis son doigt dedans, donc déjà elle est infectée. Enfin... Ok. Ok, ensuite H, tu étais parti voir le coffre d'après. Ouais, le coffre du fond, ouais. Ouais. Je vais pareil, sans trop de précautions, j'avoue qu'en fait j'ai l'impression d'être dans un dortoir et à part des affaires de quelqu'un, j'ai pas l'impression que ce soit un coffre. Enfin, il m'inspire pas de crainte particulière, donc c'est vrai que j'y vais assez franchement directement. Quoi. Tu l'ouvres, il n'y a aucun piège, fort heureusement. Tu peux lancer 2 D20 sur la table des loots. 2 D20? Ouais. Ok. Oh bah. C'est 10. Sympa. Bon. J'ai deux fois le même objet. Des chaussons de nuit, deux fois. Et une paire de chaussons. Une paire. Yes. J'avais un peu froid, c'est les nuits. Ok, je regarde. Si tu veux, si c'est chiant que ce soit le même, je peux en lancer un. Non, t'inquiète. Oh là là, il est fort. Quel tu peux tenter le 20? Avec la chance que j'ai, je vais faire un, ouais. Tu trouves une très belle épée dans son fourreau. Le pommeau est orné de cuir et de fines dorures très travaillées qui représentent une branche d'arbre. Tu vois que la garde est très très affinée
Et l'épée ressemble un petit peu à un sabre. Il est très très long. Il fait quasiment un peu plus d'un mètre. Et tu vois que la lame est toute gravée de fines, des fines gravures longues sur toute la longueur de la lame. Gucci. Si ouais. Et tu trouves. Magnifique. Et tu trouves aussi un livre. Dire ça tout de suite. Je passe juste pendant ce temps-là l'épée à Albert, lui qui s'y connaît en métallurgie, pour voir un peu l'œuvrage. Oui, j'allais te demander si je peux la zioter. Ouais, bien sûr, ouais. Je te l'attends. Ah, je sais, moi j'étais un coup d'œil à votre livre, je vous ai déchiffré. Mais attends, c'est même pas ce que c'est. Bah, justement, c'est pas lire. C'est vrai que je vais le donner directement. ça se trouve, c'est juste un livre de porno, il y a juste des fions et tu sais pas. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Je sais pas, genre, je sais pas, moi, j'en veux juste des fions. Tu trouves un livre et Joseph, tu vois qu'il y a écrit en titre de livre Le plaisir du cuir. Oh. Ça commence bien. Je le dis à haute voix et je l'ouvre voir ce qu'il y a dedans rapidement. Bah, je ferai mes exercices de lecture dans celui-là plutôt. En le feuilletant, tu te rends compte que c'est un guide sur la tannerie et la confection de vêtements en cuir. Ah, ça m'intéresse aussi. Moi ça m'intéresse, après c'est bon, je ne vais pas subtiliser à H son livre. Non, mais... bien sûr je te le tends, non. Mais ça pourrait rajouter une corde à mon arc qui est déjà bien fournie. Ouais, bien sûr. Alors, c'est pas sexuel, hein, je précise, non. Hein, tout le monde me regarde. Ouais, je ne dis pas non. Et du coup, l'épée, je vais la regarder. Est-ce que... Oui. Alors, je regarde. Fais-moi un jet d'identification. Ça va juste être sur un 10 plus. Ça marche pas moins, la métallurgie en expertise et des trucs comme ça. Bah. Ah si, salut, non. Je sais pas trop. Comment même, hein. Un 7, de toute façon, ça passe. Un expert, hein. Ça comme passe. Un expert. Tu te rends compte que c'est une épée elfique. Et que cette épée, tu arrives exactement à savoir ce qu'elle procure. Elle donne. Tac, tac, tac. Plus 1 d'attaque, plus 1 de charisme. Et plus 1 de force. Par contre, tu sais que c'est une épée elfique. Et vous savez que dans ce monde, si les elfes vous voient en possession de matériel elfique, ils peuvent potentiellement mal le prendre. Normalement, il n'y a que les elfes qui peuvent maîtriser le matériel elfique. Albert, j'ai comme une idée, mais... Est-ce que altérer la lame, c'est-à-dire la rendre méconnaissable, lui enlèverait ses propriétés magiques? Je pense que oui. Oui. Très clairement. D'accord. C'est vraiment une très belle de très bonne facture. Honnêtement, gardez-la précieusement. Ça... Après, je ne sais pas si vous maîtrisez les épées. Hein. Éventuellement si elle est reforgée par un maître qui connaît la métallurgie et les forges magiques. À ce moment-là, les forges magiques. Quand j'en entends le narrateur parler, je gonfle le torse. Bon. Alors, je crois que c'est un boulot pour moi. Non, en vrai, forge magique, je suis pas dans la forge magique. Moi. Et sinon, en termes de partage des richesses, ça se passe comment? Moi, je reprends l'épée et puis je la mets à mon fourreau. Et puis, ma foi, je la cache un peu. C'est le premier sur le coffre qui a ce qu'il y a dans le coffre. Ah, bah, il me semblait qu'Elizer, ça marchait plutôt bien pour vous de ce côté-là. Alors, je sais pas. Dites-moi une seule chose que j'ai prise pour moi. Ne me lancez pas sur le sujet, franchement c'est... Ce n'est pas arrivé, on va pas relancer le sujet, mais... Bon, vous voyez que la dernière fois que j'ai ouvert un coffre qui avait des pièces d'or, j'ai fait un partage équitable, là, voilà. J'en ai marre de me battre avec un bâton, je vais me prendre une épée. Ah oui, non, moi, pour le bien du groupe. Je vous l'aurais laissé, mais bon. Ah, c'est pour le alors je vais rejoindre Elisa, et c'est vrai que sur les pièces d'or, j'aimerais qu'il y ait un partage équitable. Parce c'est normal, vous n'en avez plus. Mais c'est normal, vous jetez sur les coffres. Je me suis pas jeté dessus, je l'ai inspecté pendant 5 minutes pour savoir s'il n'y avait pas un piège. J'inspecte et je garde les pièces, ça m'a coûté cher d'inspecter. Le alors, okay. Je le prends un peu mal, je vais dire à Elisa, ouais, la dernière fois que vous avez ouvert un coffre, ça s'est bien passé. Bon, bref, de toute façon, non, je suis d'accord. Je fais une petite blague, hein, c'est une petite aparté. Mais non, je suis d'accord, dans l'esprit du groupe que nous voulons transmettre et que justement nous avons. Critiquer un moment Elisar à ce propos. Merci. Effectivement, ces 5 pièces d'or et la petite fiole de drogue, pff,
enfin voilà, je pour le coup les cinq les deux prochains coffres ils sont pour nous et puis on est quitte. Non, je pense qu'on pourrait attribuer aux besoins de chacun. Oui. Et les pièces d'or sont réparties équitablement. Oui. On fait comme là on vient de faire, je viens de lâcher le bouquin et puis on se les répartit au fur et à mesure en fonction de qui a besoin de quoi. Vous l'avez pas lâché à moi. Je tu veux un livre sur la tannerie? Mais moi je veux tout moi. D'accord, mais ça me donne pas du tout envie de vous donner des trucs. Donc écoutez, Elisa, vous prendrez ce qu'on n'a pas urgemment besoin. Oui, bah je vais ramasser les miettes, quoi. Non, mais c'est pas ça. Vous allez les vendre de toute façon, mais peut-être que si on peut s'en servir pour se battre, ce serait un peu plus intéressant que le juste faire du profit. Ouais. C'est un marchand. Je suis pas un combattant, je suis un marchand, mais j'en ai marre de vous répéter. Et il est en train de piétiner. Bon, du coup, je donne deux pièces d'or à... J'ai eu 5 pièces d'or, c'est ça? Oui. Ouais. Je donne 2 pièces d'or du coup à Joseph et 1 pièce d'or à Elisar. Merci mon brave. Merci beaucoup. Et par contre la petite fiole... On verra bien. Je peux la garder mais après si quelqu'un... si quelqu'un la prend à titre juste de le vendre... Voilà. Moi je suis pour qu'on la garde, c'est de la drogue, ça pourrait nous servir dans un verre, tout ça. Croyez-moi, j'ai déjà empoisonné des. Il y a quoi derrière cette porte? Honnêtement, je trouve ça assez déshonorable de la vendre et encore plus empoisonner ses ennemis. Donc personnellement, je serais pas à la détruire, mais bon. Et je tiens juste à rajouter une chose, c'est que les épées, les haches que je garde, ça servira automatiquement pour le groupe, hein. Comme j'ai pu forger une armure pour Elisar, ça servira pour que je fasse des qu'importe. Donc clairement, je ne suis pas non plus. Personne n'en doute. J'ai juste posé la question, c'est tout. Tiens, viens, Elisar. Est-ce qu'il y a des lettres sur le bureau? Non, sur le bureau, tu ne vois rien. Excuse-moi. Est-ce que je peux prendre le bouquin ou pas, du coup, H? Sur la tannerie. Je l'ai tendu. Dans cette pièce, tu y découvres un bureau. Une petite étagère sur le côté, avec quelques morceaux de tissu, probablement des draps, des vêtements, et un bureau avec un parchemin dessus. Vous voulez un chemin? Bah, je suis toujours un peu dans le... Joseph. j'arrive. Joseph, vous l'assumez, le RP je lis pas. Oui. Ne vous inquiétez pas. Mais qui trouve tout, il est là devant, genre. Joseph, tu prends le parchemin et tu lis dessus parchemin de contrôle des insectes. Oh. Bon voilà, parchemin bien étrange. Ça vous dérange pas si je le garde? Non, non, vas-y. On voit avec Elisar. Non, non, c'est bon, ça me dégoûte. Je regarde moi dans l'étagère là s'il y a des trucs. Tu trouves du coup des vêtements, des draps, des pièces de tissu. En assez sale état, un peu poussiéreux. Ouais, bon, très bien. Allons-y. Petite parenthèse, Joseph, essentiellement, les parchemins, tu peux aussi tenter d'apprendre le sort qu'il y a sur ce parchemin. Je sais plus si je te l'avais demandé. Tu pourras contrôler des scarabées, yes. Voilà. Ah bah, vous serez bien jaloux quand je ferai venir des papillons. Ce sera bien. Vous imaginez mon entrée en ville sur un warg accompagné de papillons? On voit une entrée triomphante. Ça me fait chier de le reconnaître, mais oui, c'est stylé. J'aimerais moi aussi arriver avec des papillons. Ah bah voilà. Pourquoi la magie est un peu supérieure à la science. Les mouches à merde. Hey, y'a pas de mouche au-dessus de moi. Il n'y a donc plus rien dans cette pièce. Moi, cher MJ. Non. De temps en temps. Oui, je prenais pas souvent des douches. Ouais. Vous êtes pas le plus propre du groupe. Je suis pas loin de Vienne. On va le dire comme ça. Bon, bah je vous reviendrai la prochaine fois que je prends un bain. Vous continuez dans ce couloir et vous tombez du coup sur une porte qui mène une grande porte qui mène vers le pont comme vous l'avez indiqué les barbares et une petite porte sur votre droite. Peut-être moi, j'ouvrir la petite porte. Hein. Ouais, peut-être plus la petite porte, je suis assez d'accord. On va tout fouiller. Dans la petite porte, vous y découvrez un bureau assez cossu. Rien sur la table, en revanche, il y a une petite bibliothèque derrière. Tu avec. La fouiller, eh bien, écoute, lance-moi 3D 100. Oh ouais. Oh, bon. Ça fait peur.
T'as 13 négo, mais... Oh putain, de 70 à 7, quoi. Oh, le delta, waouh. C'est très 7. Tu trouves une merde séchée. Bien ok, donc... Une araignée te mord. C'est très 7. Tu trouves un livre qui s'appelle Le mythe d'Andrabor Tête. Alors, tu peux me répéter? Je vais te l'envoyer, Le mythe d'Andrabor Tête. Je te l'envoie sur Discord pour que tu aies la bonne orthographe. La lecture, la princesse, hein. Tu trouves... C'est vraiment tellement gratos, c'est genre... Bah tu trouves aussi un parchemin. Quand tu le lis, il y a marqué « Parchemin de traçage des mammifères ». Oh, c'est... Traçage. Traçage des mammifères, bien, hein. T'en sais pas plus. Ça peut être vachement bien. Pour peu que ça permette de suivre à la trace certaines. C'est ce que ça devient, les petits lapins mignons. Hein, donc, et le dernier livre. Je vous rappelle que les êtres humains sont des mammifères, hein, donc ça peut être très intéressant. C'est vrai. Wink wink. Et le dernier livre s'appelle. Je veux dire quoi ça, mammifère? Je vous expliquerai. Le dernier livre s'appelle Servir un homme. Oh. Et c'est quoi le contenu? Quand tu le regardes direct. Il ouvre pas l'autre, il regarde ça, il dit waouh. Ouais. Mais attends, c'est quoi le contexte? Et tu te rends compte que c'est un livre, un guide sur comment cuisiner un être humain. Ah. Donc c'est littéralement servir un mec. Servir. Waouh, très littéral. Servir différents plats pour cuisiner les êtres humains. J'aurais dû le proposer ça à nos chères personnes qu'on a sauvées. Ça peut être utile. L'aurait mal pris. Trop tôt. Bon écoute, je vais prendre le livre, ça vous va. Oui, vas-y. Ça jamais. Ah, si un parchemin énervé que tu peux apprendre. Il y a effectivement une porte derrière, oui. J'imagine que si j'essaie de l'ouvrir, il y a un truc qui va me tomber sur la gueule, moi, par contre. Ah, si moi, il y a pas d'autre piège que sur le. Si vous voulez, je peux analyser la porte. Hein. Je peux toujours. Je m'entends, oui. D'accord, bah, je viens et je jette la porte du cul. Fais-moi un jet, Albert. 5. Tu ne vois pas de mécanisme particulier sur la porte, elle n'a pas l'air piégée. Cette porte est sans danger et je la touche avec ma main comme ça. Allez-y, ouvrez maintenant. Mais vous le savez juste en touchant la porte ou... C'est très fort. Et c'est là que le génie opère, j'ai envie de dire. Vous l'ouvrez? Oui. Ok. Vous êtes tous morts, non je déconne. Il y a un basilic. Vous découvrez du coup derrière une chambre simple avec un petit coffre et un lit un peu cossu. Je vais inspecter le coffre. Je vais inspecter le lit. Que fais-tu, Elisa? Allez-y, inspectez le coffre, mon cher. Albert. Non, je vous en prie. Honnêtement, je... Ah ben, moi, je suis pas un inspecteur, moi. Je suis un marchand. Ah. D'accord. Je vais donc... Je sais pas si je vais réagir à ce qu'il vient de dire. Je vais donc inspecter le coffre. Pour voir s'il n'y a pas de soucis. Fais-moi un petit jet de... Malheureusement, tu tâtonnes le coffre, mais... impossible de savoir s'il y a un mécanisme ou pas. Ça me paraît diabolique. Je suis incapable de dire si c'est dangereux. Vous ne devriez pas l'ouvrir, parce qu'il ne faut pas que je perde la face. Hein. Vous ne devriez pas l'ouvrir. Elisar, tu ouvres le coffre, rien ne se passe, et tu peux jeter 2 des 20 sur la table du loot. Oh, 3 et un 17. Un 3 et un 17. C'est bien ça. Alors, une paille et un dragon. Tu trouves... tu trouves 2 petits bracelets d'amitié. Ce sont des petits bracelets en poil de tu sais pas trop quoi, sûrement de la crinière, du crin de cheval. Je suis vraiment fasciné par le truc, je trouve ça très mignon et très joli. T'en as 2 et tu trouves aussi... Je peux les garder. C'était la... J'ai pas demandé. Là, je la regarde derrière en mode je vous ai pas demandé mais je peux les garder. Non, ça ira. Ah, c'était de l'amitié. Donnez-les si vous trouvez un ami dans le groupe. Bon courage, y'a que des coups. Oh, c'était de l'amitié. Et du coup, tu trouves... Ouais. Attends, je suis en train. C'était ça le gros loot. Eh oui. C'était ça le vrai trésor, c'est l'amitié. Depuis le début, c'est qui ton ami maintenant? Ok.
Ok. Tu trouves une espèce de vieille pièce. C'est pas de l'or, c'est pas de l'argent. Tu saurais pas trop dire quel métal c'est, mais c'est une très vieille pièce. T'en as jamais vu des comme ça. Aucune présence de rouille. Sur une des faces, il y a un visage de profil. Tu ne saurais pas dire ce que c'est. Et de l'autre côté, sur le côté pile, tu y vois gravé une vieille porte, un peu comme un panthéon. Tu vois, ça fait deux grosses colonnes avec un toit. J'essaie de regarder par-dessus son épaule la pièce. J'ai des connaissances en histoire. Est-ce que ça me dit quelque chose ou pas ? Moi aussi, je ziote. Hein. Ça ne te dit rien du tout. Okay. Tu es incapable de reconnaître le visage, incapable de reconnaître l'autre côté. Par contre, tu ressens une grosse puissance magique de cet objet. Ok, Ezra, faites attention, c'est un objet très magique. C'est genre une pièce de monnaie ? Enfin, c'est de la taille vraiment. Ça ressemble d'une pièce à. De ouais, monnaie, c'est un peu plus gros qu'une pièce de monnaie, ouais. Ça tient dans la paume d'une main. Mais oui, ça ressemble à. C'est un visage et une porte dessus, c'est ça ? Oui. Si vous voulez mon avis, Elisar, c'est quelque chose qui aura un portail magique. Hein. Toute évidence. Ouais, ça a l'air d'être une clé pour quelque chose, oui. Ça. Ouais, ça. Gardons-la, on verra plus tard si ça nous sert. Hein. Ah oui, gardez, mais oui, oui. Comme il a dit, faites attention. Bah, faites attention, c'est-à-dire. Bah, la vendez pas, quoi. Ouais. La faites pas. Oui. Il précise quand même, c'est oui. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites attention, c'est magique. La vendez pas. Voilà. Ne la vendez pas. Bon, alors j'ai un médaillon magique avec une tête dessus. C'est pas un médaillon, c'est vraiment juste un. Pièce. Comme un ancien denier, un si métal, tu veux. Quoi. Tu vois. C'est un écu. Un écu. J'arrive écu. À sentir un peu quel type de magie c'est ou. Fais-moi un jet. Jet d'un tel. Ou jet de. T'as un truc en connaissance de magie ? Érudit. Alors, je suis expert en magie, en occultisme. Ok. Et j'ai 14 intelligence. Ok, fais-moi un jet d'un tel alors. 4. Tu perçois une magie très lumineuse. Quand tu fermes les yeux, tu ressens un bien-être profond. Quand tu es autour de cette pièce, quand tu imagines cette pièce et que tu fermes les yeux, tu vois énormément de lumière et tu sens de la chaleur et du bien-être. Étrange, il semble que cet artefact ne soit pas lié du tout à des dieux démoniaques, mais plutôt une force positive. Vraiment, gardez-la précieusement, Lisa. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, pour une fois. Eh bien, vous en savez des choses, Joseph. Écoutez, la magie, ça se sent. Hein. Il est grand, ce parquet. Oui, c'est vrai. Très bien. On va voir la suite. Eh ben voilà. On se regarde tous. Bon, voilà. Bon, bah. Vous arrivez donc devant la double porte. Et sur le côté gauche, vous voyez une petite plaque avec une inscription. Et vous remarquez que les lettres de l'inscription sont en métal et qu'elles sont clouées au mur, chacune avec juste un clou un peu rouillé. C'est brinque-ballant. D'accord. Et l'inscription dit « Jetez la hache dans les limbes ». Dans les limbes. Peut-être qu'ils veulent dire jeter la hache. Vous savez, on a trouvé une hache, bon, après ça me paraît un peu. On va pas jeter hache, ouais. Non, mais attends, les. C'est pas une contre-pétrie ou une connerie dans le genre. Peut-être qu'il faut juste jeter la lettre H. Peut-être qu'il faut retirer la lettre H. De l'arbre. Je suis très nul en contre-pétrie. Attendez, j'ai peut-être une idée, c'est peut-être du génie, c'est peut-être de la bêtise. Jeter la hache dans les limbes, peut-être qu'il faut juste retirer la lettre H. C'est pas bien forcé, écoutez. Oui, c'est. Bah, disons qu'on peut bouger les lettres. Donc, moi, j'avais déjà pensé à peut-être faire un autre mot avec les lettres ou les tourner ou machin. Ça se trouve, effectivement, jeter la hache dans les limbes. Ouais, c'est plutôt. Je suis assez d'accord. Attends, redis, moi, j'ai pas compris. J'ai rien compris. Simplement retirer la lettre H de cette phrase. Oui. C'est-à-dire retirer la hache, là, il parle de l'objet, enfin, l'arme, la hache, et donc la lettre H, et de la retirer. Mm-hmm. Et de la retirer de quoi ? Bah du panneau. Ah, il y a un lettre H au panneau là. Bah oui, jeter la hache dans les limbes. Première lettre de H. Toutes les lettres de l'inscription sont en métal et elles sont clouées au mur. D'accord. On a trouvé une hache tout à l'heure, sinon.
Bon, mais ça non, me paraît peut-être un peu bizarre de pour ouvrir une porte. J'ai la hache, je dirais hache quoi. Oui. Un peu plus intellectuel que ça. Je... Bah, est-ce que. Bon, je vais essayer. Il a pas complètement tort, hein, mais de toute façon, il avait pas peur, hein, il nous a dit Joseph. Je suis assez d'accord. Je recule juste de 2-3 pas. Bah, reculez-vous, je suis déjà blessé, ça va être sympa. Allez, je retire la lettre H, je vois si elle me résiste ou pas déjà avec le clou ou quoi. Elle se retire du mur sans heurts. Ok. Et bon, à partir du moment où tu retires la lettre H, les deux portes s'ouvrent et vous y découvrez un long couloir. Bah voilà, qui c'est l'expert des énigmes ? Bravo. Eh bah bien joué. J'ai dit qu'il n'y a pas besoin de sacrifier des gardes. Oh. Mais vraiment, il est quand même déçu, quoi, merde. Ils auraient pu juste mettre un verrou, ça aurait été plus chiant. Bon. Après, si tu sais pas lire, ça devient une énigme très compliquée. Oui, bah tout voilà. De compliqué dans le monde quand tu sais pas lire, j'ai l'impression. Et je regarde pas H. Je regarde devant moi, vraiment. C'est pas méchant. Mais... Que voyons-nous ? Une double porte. En face de vous, en bois. Il n'y a pas de serrure, il y a juste une poignée. Ok. Alors par contre, ça, on sait pas si c'est piégé, hein, parce qu'il savait que... Ouais. Albert, okay. Je pense que c'est dans vos compétences à vous. Hein. Ouais, allez, Albert. Ça, j'ai l'impression qu'on m'envoie un peu à la mort. Mais c'est pas grave, je vais mettre en avant. J'observe un peu la porte, je regarde autour. Est-ce que je vois quelque chose de particulier quand j'inspecte la porte ? Fais-moi un jet. De visu, hein, pour l'instant, je la touche pas. Ça, okay. Le risque viendra après. Oui pas. Oh, si c'est ingénierie tout ça, je suis large. Hein. Là, on peut y aller. Hein. Oui, d'accord. J'ai pas vu. Je suis expert. Enfin, je veux dire, Attends, je te dis pas bêtises. Ingénierie métallurgie, ouais, je suis expert. Donc. Ouais. Tu vois que sur cette porte, il n'y a absolument aucun mécanisme. Ça a tout l'air d'une porte simple. D'accord. Je m'approche. Juste, je touche la porte, je sens pas que c'est chaud, je n'aurai pas de soucis de ce type. Et est-ce que c'est magique? Tu ne ressens rien de spécial. D'accord. Joseph, tu ne ressens pas de magie de cette porte. Je colle ma... Okay. J'écoute à la porte, je colle mon oreille dessus, j'essaie d'entendre un petit peu, je leur dis aux autres de se taire. Tu écoutes à la porte, et fais-moi un jet. Que vous dit la porte, Albert? La porte me dit que je n'entends absolument rien, oui. Mon ami. Tu n'entends rien du tout à travers cette porte. Je crois que ce bois est extrêmement épais. Nous devrions partir. H, je crois, est très doué pour ouvrir les portes très doucement. Oui. J'ai des PTSD quand il s'agit de portes, que ce soit dans la vraie vie, dans les précédents jeux de rôle. Au moment qu'il s'approche de la porte, je commence à me tenir la tête. Je suis... Oh, qu'est-ce qu'il passe ? Par contre, si elle est bien insonorisée, je connais un ingé son que ça intéresserait. Alors bah je vais essayer de l'entrouvrir du plus discrètement que mon doigté me permette. Tu l'entrouvres discrètement. Oh. Et il n'y a rien de l'autre côté, c'est une porte normale. Oh tout ça pour ça, yes. Vous pouvez recommencer à l'autre porte, H, maintenant. Tu voulais pas que je regarde vraiment cette porte là. Tu vois effectivement une deuxième double porte. Ou alors c'est exactement la même. Sans cul, hein, je vous le dis. Oui c'est vrai. Bon, restez au moins dans la... Décalez-vous un peu à la porte, partez pas de la pièce non plus. C'est... Merci H d'être avec moi et de me soutenir. Hein, parce... Je rejoins Elisar, c'est vrai que ça sent le plafond piégé. Bon, j'analyse la porte à nouveau. Regardez le plafond, Albert. 4. Il n'y a aucun mécanisme, tu en es sûr et certain. Ouais. En revanche, quand tu tends l'oreille, tu entends quelqu'un pleurer. Tu entends quelqu'un sangloter, t'entends des sanglots, t'entends des... Ok, là je descends le son de ma voix derrière, je fais « Les gars, il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un qui pleure. Je crois qu'il y a quelqu'un qui pleure. Mais je sais pas, c'est très bizarre. H, Farah, déjà rapprochez-vous les gars. Préparez-vous. Et vas-y H, attends. Vas-y, j'essaye d'ouvrir le plus discrètement possible encore. Tu ouvres la porte. Et tu vois, vous voyez devant vous une grande salle, vide, avec sur le côté des cellules. Et vous constatez que les sanglots viennent du fond à gauche.
J'avance assez doucement, j'avoue que je... vous je... rien à péter. Ah ouais, j'avance tranquille. Hein. Vous repérez du coup dans cette cellule un homme qui a le visage dans ses mains, qui est en train de pleurer, et quand il vous entend, vous voyez un visage très squelettique. Des cheveux bruns très longs, une barbe très longue, un corps squelettique tout frêle, avec vraiment des lambeaux de vêtements sur lui, et il vous regarde et vous voyez ses yeux humides qui vous regardent, et il vous dit oh, par pitié, libérez-moi, par pitié. Pourquoi vous êtes ici, mon bon monsieur? J'ai pas le temps de vous expliquer, s'il vous plaît, libérez-moi. Mais comment ça, vous avez pas le temps de vous expliquer? Par pitié, je vais mourir, pitié, libérez-moi. De quoi vous allez mourir? Je suis en train de mourir de faim. Libérez-moi, par pitié. Ah bon, vous donner avant, j'ai tenu deux semaines, vous allez bien tenir 10 minutes. Ça fait pas deux semaines que je suis là, monsieur. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 3 ans. Bon. Ah oui. 3 ans que vous avez pas mangé. Pitié. Vous allez bien tenir un quart d'heure, le temps de répondre à nos questions. Qui êtes-vous? Je m'appelle Courtenay. Courtenay? Enchanté, Courtenay. C'est pas bien, c'est pas bien. Je me rapproche et je le ziote un peu de haut en bas, tu vois, genre pour voir s'il cache rien dans ses mains. Je regarde ses mains s'il y a rien. Tu vois que dans son visage, il y a une espèce de désillusion qui se crée. Il tombe à genoux et il repleure et vous comprenez qu'il dit vous êtes pas là pour me libérer, vous allez me torturer aussi comme les Vas-y, autres. Je sors de ma truc une demi-brioche et je lui jette un morceau de brioche. Vers les barreaux, mais en essayant de pas mettre la main pour pas qu'il m'attrape. Enfin, tu vois, je lance un peu. Il attrape la brioche et il la dévore dans l'instant. Et il s'arrête à un moment donné. Il te regarde droit dans les yeux. Il te dit merci, monsieur. Dans son regard, ouais. Il te dit un vrai merci du fond du cœur. Bon, mon brave, voilà. On peut vous aider, c'est pas le problème. Mais comme on risque à nous dire ce qui est, pourquoi tu es là. Ok, alors écoutez-moi. Comme je vous ai dit, je m'appelle Courtenay. J'étais un guerrier. Je me battais pour Corios avant. Sauf que... j'ai voulu le trahir et... il s'en est aperçu et il m'a enfermé ici. Et pourquoi t'as tourné le dos à Corios? Parce qu'il a commencé à vouloir... Et tu vois qu'il part en sanglots encore. Il a commencé à vouloir vendre des esclaves... avec un sorcier dans le coin. Et j'ai pas voulu qu'il touche à ma famille, à mes semblables... Je viens de Valkorie, moi, vous savez. Ok. Et pourquoi tu l'as rejoint dans... Corios, à la base? Au début, on était un groupe de 4 aventuriers avec Corios et d'autres, et puis... les choses ont mal tourné. Corios a tué les 2 autres et... et par couardise, j'ai préféré ne rien dire. Je l'ai suivi, pensant que c'était... peut-être mon destin. Mais au final, j'avais tort. Ça a duré combien de temps? Oui. 3 ans. Et comment comptais-tu le trahir? J'ai tenté de le tuer pendant son sommeil. Bon écoutez, moi je sais pas pour vous, mais ça me semble être un homme honorable. Enfin, déshonorable, mais de notre côté. Vous avez une conception de l'honneur particulière. Non. Il est de notre cause, même s'il est déshonorable. Oui, enfin, il est de notre cause. Écoutez, on ne sait pas comment on aurait réagi si on avait été face à quelqu'un qui voulait emprisonner femmes et enfants pour les mettre en esclavage, les réduire en esclavage. Donc, moi, je sais pas. J'ai de la compassion pour lui. Oh. Ah, moi aussi, hein, franchement, Corios. Vous allez libérer le premier clodo qui pleure dans une cellule? Bah oui, pourquoi on le laisserait en jaune? Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse? Regarde, il est tout squelettique. Je sais pas, essayer de nous pointer dans notre sommeil, par exemple. Quel intérêt? Alors ça, c'est petit. Quel intérêt il aurait? C'est vraiment trop tôt, Elisar. C'est vraiment beaucoup trop tôt. Faites ce que vous voulez. Bon, écoutez, et moi j'avoue que, en fait, là, tu vois, j'essaye de voir la grille si elle résiste, parce que j'imagine qu'il faut une clé. Tu vois que il y a de lourds barreaux en fer, et il y a effectivement un loquet avec un gros cadenas en métal accroché. Mais on avait une clé, non, pour libérer les autres. Est-ce qu'elle rentre là-dedans? Tu as effectivement une clé, et tu vois que la clé est trop petite pour ce cadenas. Bon, alors je peux faire fondre des barreaux si vous voulez, ou juste le loquer. Bon, on peut peut-être lui demander, vous savez où sont les clés, qui les possède? Oui, c'est Corios qui les garde tout le temps sur lui. Ah.
Bon bah attends, c'est que ça, je peux vous libérer. Hein. Moi j'ai une expertise pour essayer de faire ça. Ça a pas payé jusqu'à maintenant. Bah allez-y, à tout moment d'illustrer. Allez-y, hein, si, si je peux économiser la magie, moi ça m'arrange. Il a fait fondre la serrure la dernière. Il a pété tout, ah oh ouais, c'était horrible. Est-ce que je peux sortir mon kit de crochetage et tenter une approche professionnelle du cadenas? Tout à fait. Tu peux... Je m'arme un petit peu, en fait, parce que tu vois, subconsciemment, je tremble, en fait, parce que j'ai raté les deux précédentes fois, médiocrement. Et du coup, bah là, franchement, j'y vais un peu en faisant genre, je sais ce que je fais, mais tu vois, j'ai perdu toute confiance en moi quant à ce genre de manipulation, quoi. Tu peux me faire un jet. Allez ! Du premier coup, en un petit doigt. Mouvement du pouce et de l'index, ça s'est ouvert. Vraiment délicatement, sans bruit, sans heurts, rien du tout. J'ai toujours cru en vous. C'était parfait. Bien joué, hein, franchement. Faut briller. Et Courtenay. Et je fais genre le grand siège, je peux avoir votre parole que vous allez pas retourner aux. Aux... Pourquoi t'as abandonné au plein milieu? Le mec il vient vraiment d'ouvrir le truc avec genre son ongle, genre en soufflant dedans et l'autre il fait Je peux avoir votre parole que... Non mais sortez, c'est bon. Allez cassez-vous là, c'est bon. Vous m'avez saoulé. Ah ouais, un saoulé hein. Non mais genre ouais en gros le but vas-y, avec vas-y, nous vas-y. Est de pas retourner au côté de Corios quoi, que j'ai sa parole que il te tend sa main ça, il te tend sa main sale et squelettique avec des grands ongles et il te dit je vous donne ma parole. Je lui serre la main, moi j'ai pas de problème avec les ongles sales. Ok. Alors est-ce que vous pourrez dire aux autres prisonniers qu'on a libérés dehors qu'en fait on est gentil? Ils ont l'air de pas le croire mais il y avait d'autres prisonniers. Oui, désagréables. Des prisonniers désagréables? Si c'est des prisonniers de Corios, je pense que c'est normal qu'ils soient devenus désagréables. Oui. Avant que vous partiez, simplement... Oh, excusez-moi, j'oublie mes manières. Albert Edison, je lui tends pas la main parce qu'il est sale quand même. et je dis, est-ce que vous auriez... on vous a quand même libéré, etc. Est-ce que vous auriez des informations peut-être un peu compromettantes sur ce cher Corios? Enfin, nous espérons quand même que vous êtes un peu de notre côté et non de ce côté de cet homme qui vous a fait tant de mal. Ce que je peux vous dire, c'est que Corios est allé assiéger Midenkar parce qu'il est à la recherche d'une relique. Je ne sais pas du tout quelle relique c'est, mais je sais que ça a un lien avec l'ordre profane. Faites bien attention à l'ordre profane. Quel est le but final de Corios là-dedans? Je ne sais pas, la gloire sûrement. Peut-être la soif de sang. L'ordre profane, croyez-moi, vous voulez pas les voir. Cette grande silhouette blanche sans visage. Et on dit que si on regarde trop longtemps leur visage, on peut être pétrifié ou perdre tout son sang d'un coup. Attendez, la mémoire. Comment? Ou perdre la mémoire? Perdre la mémoire, ouais, c'est possible. L'ordre profane, c'est pas simplement un groupe de personnes? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une espèce de secte de vieux magiciens qui sont devenus fous. Je saurais pas trop vous en dire plus, vous savez. Je les ai vus de temps en temps passer devant moi avec Corios, mais j'ose pas trop les regarder. Ils avaient une particularité physique au-delà de cette... Parce que vous avez pas regardé, mais vous avez quand même jeté peut-être un petit coup d'œil à un moment. Est-ce que vous avez pas vu un... Mais ils ont pas de visage. C'est quand même une grosse particularité physique, ça. Ah, pas de visage, d'accord. Ils ont pas de visage du tout. Ils sont tout blancs, tout pâles. On voit leurs veines. Mais ils ont pas de visage. Et ils sont grands, à peu près 2 mètres, dans des grandes toches blanches. Oula. Ok. Oui, plus sur le magique. Tu sais où aller, Courtenay? Ta famille est encore en vie, tu le sais ou pas? Malheureusement, non. Je crois que Corios les avait tous tués. Et tu vas retourner où? Je sais pas. Écoute, sinon tu peux essayer de rejoindre les autres prisonniers qu'on a libérés, qui sont juste devant le donjon, et essayer de vous organiser. Ouais, on n'est pas encore sûr de ce qu'on va faire, donc... Ouais, ah, et aussi, un truc que tu sais pas, ne rentre pas dans la cuisine, il y a une bestiole dedans. Il y a un warthog. Ah, pas vivant. Merci.
Parce que je sais que t'as la dalle et que c'est potentiellement un des trucs que tu vas faire en sortant. Écoutez... Attends, on doit s'en occuper, mais... Sinon, est-ce que je peux pas vous accompagner, faire un petit bout de chemin, histoire de rejoindre une ville un peu sûre, tout seul, bizarre, passer voulez, par les... Vous voulez nul, tu peux l'aider à porter ses affaires. Bah, je suis un peu faible, mais peut-être non. D'ici un jour, une bonne nuit de sommeil, un bon repas, et je pense que oui, je pourrais vous servir. Non, oui. Non, mais on va essayer d'organiser le repatriement de tous les prisonniers en même temps, ne vous inquiétez pas, vous allez pas vous trimballer comme ça. Ouais, mais moi j'ai plus d'endroit où aller, j'ai plus de famille. Oui, oui, mais vous inquiétez pas, on va vous... On va passer un mot à la baronne. Ouais, tu peux rester un petit peu avec nous avant de sortir un petit peu. Enfin, on va continuer à explorer le donjon. Donc. Peut-être que la duchesse de Valkorie pourra t'aider. Tu dois bien connaître ce donjon, toi. Ouais. De l'autre côté, il y a une grande pièce avec toutes les bibliothèques de Corios et ses expériences. Ah, vous m'entendez plus ? Allô ? Si, c'est bon. J'ai eu un freeze. Ouais, ça coupe. C'est Discord. C'est l'effondrement. Fuyez. Tout le monde panique. Courtenay disait, derrière, il y a une grande pièce avec la bibliothèque de Corios et toutes ses expériences. Il n'y a pas de piège derrière ? Il n'y a pas de piège derrière, non. Expérience, c'est-à-dire ? C'est en quoi ? Bah, c'est-à-dire que les esclaves qu'il avait pour l'ordre profane venait essayer quelques trucs sur certains esclaves ici. Comment c'est sûr qu'ils aient jamais rien essayé sur toi ? Pourquoi ils te gardaient en cellule comme ça ? Je sais pas. Peut-être que c'est le dernier fond d'humanité de Corios qui l'empêchait de me tuer. Joseph ? Mm-hmm. Joseph, est-ce que vous avez toujours l'amulette que vous avez trouvée à la tour ? Oui. Vous pouvez lui montrer ? Ça, ça lui dit quelque chose ? Ah, oui, bien sûr. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je lui montre l'amulette encore ensemble. Tu lui montres l'amulette et effectivement, il la reconnaît. Tu vois ses yeux qui s'ouvrent un petit peu. Et laisse-moi juste une petite minute. Il te dit oui, je connais ça. C'est l'amulette d'Oukatir al-Traib. Oh putain. Oukatir al-Traib. Alors oui. Je te le note. Qui est al-Traib ? D'Oukatir. Je vous le note. Je vous le note. Calvaire. Et qui c'est ? Uqatir al-Traib. Comment vous l'avez obtenu cette amulette ? Bah moi je l'ai jamais eu entre les mains personnellement. Quand je dis vous, c'est Corios, toi, toute cette équipe. Ah ! Oh c'est un vieil artefact qu'on a trouvé dans un donjon. Et que fait-il ? Bah il appelle... Je me rappelle plus de son prénom. C'est pas Francis ? Je crois que c'est Francis. Non mais ça appelle un squelette qui est pas bien utile mais... Un grand attention, c'est un grand guerrier. Mais c'est un grand guerrier mais il veut plus se battre donc c'est bien la peine. Mais il en a appris énormément à Corios. C'est grâce à Francis Tripaille que Corios est devenu aussi fort au combat. Attends, l'écu et l'autre truc, ça amène les deux mêmes choses. Il peut nous entraîner en fait. Putain, non, c'est pas l'écu là, c'est l'amulette. Mais attends, mais il lui a appris quoi exactement parce que nous l'arrivée il... Des techniques de combat. Au début, effectivement, il a rien appris à Corios. Mais... Corios et lui ont longuement discuté plusieurs fois, et puis ils ont fini par se lier d'amitié, et Francis lui a appris quelques techniques, notamment sur la stratégie militaire. Donc ça veut dire que si là on l'appelle, c'est l'ami de Corios ? Bah, je pense, ouais. Ça arrange pas nos affaires, ça. Bah, il peut peut-être nous en apprendre plus sur Corios, mais il était très gentil ce monsieur, on est d'accord ? Oui, gentil, mais quand il apprendra qu'on essaye de... De péter la gueule de son pote, on saura. Obligé de lui dire. Obligé de lui dire, mais bon. On pose 2-3 questions. Puis après, c'est une entité ancestrale. Enfin, c'est hyper. Enfin, ça se trouve, il est pas forcément avec Corios dans le sens où il est peut-être au service de celui qui l'appelle. Hein. Il est peut-être non, il est pas au service de celui qui l'appelle, il l'a prouvé. Ah oui, c'est vrai. Dites-moi de sauter. Ah bah non. Oh, je vous écoute. C'est vrai, je l'ai oublié ça. Dites-moi un ordre, sauter. Oh non. Ah ouais, non. Putain, oui, c'était trop bien. Bon, bah. Merci des infos, c'est déjà bien. Bonne initiative. Du coup, vous voulez pas lui montrer aussi l'écu Ah oui, pas bête. Je pensais que vous aviez montré ça, en fait, j'ai pas du tout compris. Ah oui. L'écu. Et ça vous dit quelque chose ? Jamais vu. Pas bien. Merci. Je suis désolé, monsieur. Messieurs, je suis désolé de profiter de votre bonté, mais est-ce que vous auriez quelque chose avec lequel je pourrais
ne serait-ce que m'habiller un petit peu, il fait froid dans ces contrées. Éventuellement ouais, écoute, une arme pour vous aider. Va dans les dortoirs, tu trouveras de quoi t'habiller. D'accord. Et vous savez s'il reste cuir, ouais. Vous savez s'il reste des armes, quelque chose, ne serait-ce qu'une dague, un couteau. J'essaie de trouver un couteau de cuisine sur la table à manger, peut-être qu'il en reste une ou deux. Pas besoin d'armes pour l'instant, on est là. Oui. Ouais. Je pense pas que vous êtes en état de combattre hein, en toute honnêteté. Non, c'est sûr, mais bon, je serais quand même plus à l'aise. Vous savez, je suis un ancien guerrier, moi. Vous inquiétez pas. Moi, allez vous habiller. Je lui prête mon bâton de marche pour qu'il puisse marcher avec. J'en ai plus besoin pour le moment. C'est gentil, merci beaucoup. Comment vous vous appelez? Tu peux m'appeler H. Merci. Vous voulez les brasser de l'amitié, les deux? Je lance un regard un peu de travers à Elizar, tu vois, genre en mode. Ouais. Oh. En train de parler avec quelqu'un. Courtney ne fait pas attention à ce que dit Elizar, il continue de te regarder dans les yeux. Vraiment, tu sens vraiment une forte reconnaissance et un énorme respect pour toi dans ses yeux. Ouais, non, mais je comprends un peu le chemin qu'il a pris. Courtney est du coup derrière vous en s'appuyant sur son bâton de marche. Bah, je dis d'aller s'habiller au dortoir et qu'on se retrouve après. Qu'il peut se reposer. Ok. Une question à Courtney, je voulais savoir. Vous avez de l'or sur vous ? Ah oh non, je suis un prisonnier. D'accord, très bien. Oh, c'est Elizar. Je chope un peu Elizar et je le pousse vers la porte, genre allez, non, on y va. Oh, ça va ? Fais honte. Oh là là. Courtney vous dit qu'il vous attendra du coup à la sortie du donjon. Super. Okay, et pas dans les cuisines, hein, Courtney. Hein. Ouais, je ouais. Sais que faut que tu résistes. Okay, essaye de passer la bonne parole aux autres prisonniers, s'il te plaît. On a mauvaise presse auprès d'eux. C'est vraiment, il essaie de redonner son blason, mais on a fait des choses terribles, on sait pas la moitié. Enfin... Mais on leur ouais. A rien fait à eux, ils nous emmerdent. Est-ce que cette porte est fermée, mon cher? Alors, tac. Dieu. Cette porte n'est pas fermée. Tu vois que c'est une double porte en bois, comme celle que tu avais vue précédemment. Allez, rentrons. Juste pour emmerder Elizar, tu vois, je le pousse un peu vers la porte, genre... est-ce qu'il a parlé d'expérience, est-ce que ça vous dit pas? On écoute à la porte, y'a pas un peu de bruit derrière? Parce que expérience, si on retombe sur les trucs qu'on a croisés à la tour, machin, je sais pas, j'ai un peu une petite appréhension quand même. Bon, de toute façon, on va rentrer, donc... Bon, on écoute pas à la porte, allez-y. Non mais... Oui, de toute façon, moi, techniquement, là, j'ai dit que j'ouvrais et que je poussais un peu Elizar dedans, okay, donc... D'accord, ok. Et je lui mets un petit coup de corne dans la main, quand même, parce que... Je sais pas non plus son petit chien. Vous arrivez du coup dans cette grande pièce et vous découvrez ceci. Il y a des corps morts sur les tables. Oh là, on arrête de rigoler tout de suite. Dégueulasse. Je reste dehors. Vous voyez des bibliothèques et des coffres sur les côtés, des traces de sang un peu partout. On devrait partir. Voit, les corps bougent, tremblent ou quelque chose comme les ça. Les corps sont morts. La plupart semblent avoir été vidés de leur sang. Ils sont. Il y a plus que la peau sur les os. D'accord. Sorte de ils n'ont plus d'yeux. Et ouais, vous voyez que il y en a un qui a le ventre ouvert et il n'y a rien à l'intérieur, aucun organe. Chaud, là, non. Dégueulasse. Donc ils sont tous vides en clair. Ça pue, j'imagine. Ils sont tous vides ou pas? Ça sent très très fort et ils sont tous vides, il faudrait que tu les examines un par un. Est-ce qu'on détecte une odeur un peu camphrée ou ça sent vraiment la chair, quoi? Ça sent la chair, ça sent le sang coagulé, ça pue un peu la moisissure, l'humidité. Est-ce que vraiment ils dégagent beaucoup de magie, comme si on avait lancé des sorts puissants sur eux, genre de choses ou pas? Tu ne ressens aucune magie. Moi je veux bien inspecter bizarre. Chaque corps. On dirait des expériences scientifiques plutôt que la nécromancie. Oui, voilà, vous me direz quand vous avez terminé, moi je vais tout cramer ici. Hein. Attends, il y a peut-être des livres intéressants. Hein. Je suis d'accord. Je fais une bibliothèque. Moi je vois ça Albert, un peu en mode. Je regarde chaque corps. Albert, tu inspectes chaque corps et tu te rends compte effectivement qu'ils sont vidés de tous leurs organes. Il n'y a plus que la peau et c'est bizarre, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus de veines. Il y a vraiment juste la peau et les os en dessous. Comme d'accord, si on avait tout ouvert et remis la peau ensuite. D'accord. Voilà. D'accord, vraiment en mode ils ont ouvert complètement, je vois pas un truc qui était aspiré ou quelque chose comme ça, genre. T'en sais pas plus sur la technique, mais en tout cas tu vois vraiment ces corps vides et vraiment et juste de la peau. D'accord. Vous savez, ça me fait. Ce phénomène étrange, ça me fait penser un peu à la description que nous faisait
notre nouvel ami sur les l'ordre profane. Peut-être qu'ils revêtent la peau de pauvres innocents comme leur propre peau. Vous savez, ils ont dit qu'il était blanc, translucide, un peu étrange. Bah là, ils laissent la peau, tout évident. Mais là, ils laissent tout peau, l'intérieur là, ouais. qui a été pris. Oui, non, mais je veux dire que peut-être qu'ils viennent la chercher plus tard, je sais pas. Bah peut-être ils en font des enveloppes directement, ils mettent quelque chose dedans, quoi. Est-ce que si je touche, pas très pratique pour les lettres, hein, je pense, de faire des enveloppes. Il y a encore les os. Mais... Il y a encore les os, oui. Il y a encore les os. D'accord. Donc on part d'ici. Bah moi, là, je suis assez intrigué quand même. Je fouille la bibliothèque, du coup. Tu fouilles la bibliothèque. On va faire les 4 bibliothèques d'un coup. Hein. Ok. Ça sera plus simple. Okay. Donc tu peux me lancer 6 des 100. Ok. Putain. Ça y va. Ok. 53, 54. Oh, ouais, bonne moyenne. Ouais. Pas mal d'épisodes. Bon, c'est fou. En vrai, t'as fait 326. C'est juste au-dessus. Hein. Oui. Tu trouves un parchemin de torture. Oh. Tu trouves aussi un parchemin de putréfaction en mauvais état. Ok. Alors qu'il est un peu déchiré, écorné sur la fin, sur le bas de la page. Tu trouves. La putréfaction des chairs ou. Ah, t'en sais pas plus, il y a marqué d'accord. Parchemin de putréfaction. D'accord. Tu trouves un livre qui s'appelle Essai sur les us et coutumes des orques. Les orques ? Oui. Super. Tu trouves un livre qui s'appelle Dodo. Dodo ? Dodo. C'est un livre, c'est pas un parchemin. C'est un livre, ouais. Je le feuillette rapidement parce que. Tu le feuillettes rapidement et tes paupières commencent à devenir très très lourdes. Oh là ! Tu commences à flancher des genoux et à. Oh Joseph, tu tombes un peu. Tu tombes à genoux. Joseph, arrête tes conneries, mais je referme le bouquin. Tu fermes le bouquin, Joseph est encore un peu. Wow, dans les vapes, il est. Oh, vache. Je crois que j'ai trouvé un livre qui est très intéressant, mais. T'as vu l'endroit où on est, fais gaffe. Il est si chiant que ça, ton bouquin là. Non, mais je crois qu'il est magique. Enfin, je sens que la magie s'en dégage. Oui, je crois aussi, oui. Tu trouves sens la magie qui s'en dégage ou pas? Tu vois, oui. Énormément de magie qui se dégage de ça. Pulse dans tes doigts, genre. Ok. Tu trouves un autre livre qui s'appelle Les sorts de la magie des flammes. Oh. Et enfin, tu trouves un livre où il y a marqué dessus Dictionnaire elfique, langue commune. Oh, c'est bien ça. Ah. Très bien. Moi, je regarde sur l'hôtel principal, tu vois, tout à l'heure, je me suis dirigé vers ça. Oui. Voir un peu s'il y a quelque chose d'atypique, des symboles que j'ai déjà vus. Alors, il n'y a pas de symbole, il y a beaucoup de sang séché. Ouais. Et tu trouves une grande plaque en céramique avec du sang dessus. Ok. Le sang est vraiment séché, quoi. Oui. Ok. Il y a plaque en céramique, mais on voit le dessous. On sait ce qu'il y a en dessous. Non, vous voyez pas le dessus. Ça fait vraiment juste une plaque surélevée comme une table. D'accord. Oui. Okay. Et le plafond, on est vraiment sur une pièce, genre une nef un peu. Le un plafond. Haut. Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez des grandes arches au-dessus de vous, un peu comme des arches d'église. Très bien. Et derrière l'hôtel, on voit ce qu'il y a posé là, des urnes. C'est ça. Vous voyez du coup des urnes, vous voyez des petits outils, des scalpels, des pinces, des ciseaux. Est-ce qu'on peut faire une pause de juste 2 minutes que j'aille pisser? Oui. Moi, je récupère juste les scalpels pour me faire des petits couteaux de lancer là. Ok. Alors tu peux noter un scalpel, une pince et un ciseau. J'ai fini par croire que vous aimez cet endroit. Hein. Non. C'est un intérêt scientifique. Ça, rien bon, Albert, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je ferais bien tout cramer. Hein. Que l'autre il ait pas son petit laboratoire d'apprenti sorcier. Non, moi je ferais rien cramer du tout. Il faut que la duchesse voit ce qui se passe ici quand son armée viendra. Ouais. Il faut qu'il voit ce que c'est. Je fais une insulte en mode, tu sais, genre un truc genre putain. C'est vous... mauvais, truc. Vous moi je suis très terre aussi... à terre. Hein, je vais attendre Joseph. Parce que vous trouvez d'autres choses aussi. Vous trouvez
au milieu trois lettres. Ah, des lettres. Trois lettres, oui. D'accord, ok. Bon, on va attendre les autres. Ouais. Oh, moi je discute avec H et je dis non, on attend le. On crame rien, surtout il faut que la duchesse. A... Peut-être que ça les... Justement, peut-être que ça les fera plus bouger de voir un peu tout ce qui se passe ici en fait. Parce que l'intérêt c'est quand même qu'on fasse un peu réagir sur la menace qui venait du nord et faire bouger tout. Du coup, Joseph, je disais, je vous trouvez aussi sur cet établi trois lettres et je vais vous les envoyer dans indices et documents. Oh, ouais, putain, la vache. Malade. Si vous voulez les lire à haute voix. Oui, je veux bien qu'on les lise. Moi, je suis malade. Alors, lettre 1. Mon petit, je décide enfin de prendre mon courage à deux mains et de t'écrire. Je t'aime énormément et c'est pour ça que je souhaiterais que tu arrêtes tes briganderies, que tu reviennes auprès de moi. Petit, tu adorerais passer du temps à la ferme. Pourrais-tu venir m'aider ? Depuis le départ de ton grand-père, Miguel et moi ne pouvons plus nous occuper de toutes nos tâches fastidieuses. Ta présence nous ferait le plus grand bien. À nous ainsi qu'à toi. S'il te plaît, prends soin de toi et ne fais pas de bêtises. Ta tata qui t'aime, bise. Lettre 2. Rapport pour les comptes du général Corio, style enclume. Notre contingent est bien arrivé à la cité de Minenkar. Armes à distance, 54%. Armes de corps à corps, 37%. Provisions, 6%. Monture et bétail, 2%. Combustible, 67%. Ouais, tu peux passer ça, je pense. Bref. Voilà. Arriver direct au truc en dessous. Ils ont plus de trébucher. Le premier assaut fut lancé 4 heures après notre arrivée. Nous avons perdu environ 60% de nos hommes. Le moral des hommes est médiocre, mais tous brûlent d'impatience d'arracher la jarre des mains de notre ennemi. Il nous voue un culte. Il vous voue un culte immense au grand général Curios. Nous attendions votre venue avec des renforts. Attends, parce que. Ah oui, d'accord. Lettre 3, Corios, cher ami, notre rituel se déroulera comme prévu le 23 primaire. Le duc de Valcorie accompagné de la duchesse de Bertignac seront présents. Je compte donc sur vous pour que les festivités soient à la hauteur. Je comptais mettre un affublement karma en aide dorure, de fanfreluche en lin blanc. Que comptez-vous porter? Je sais qu'à rien vous sied, j'ai hâte de vous découvrir en tenue. J'en profiterai pour vous ramener ce parfum de jasmin de vous raffoler tant. Au plaisir, Pedro Itribuli. Ça doit être des PD, ça. Non, mais attends. Ah, il est cupide. Non. Mais attends, le duc de Valcorie. On connaît la duchesse. Accompagné de la duchesse de Bertignac. Mais bah on, oui, connaît attends, la... elle. On connaît la duchesse de Valcorie. On n'a jamais vu son mari, je sais pas que c'était elle qui censée régner, non, sur Valcorie. C'est elle qui règne sur Valcorie, oui. Tout à fait. Mais donc là, il y aura les grandes Valcorie qui seront là. Attends, laissez-moi prendre des notes sur tout ça, là ça devient compliqué. Oui, bah là ça met beaucoup de choses en lumière et pas des bonnes choses. Pedro Itribuli. C'est qui encore ce con ? Oui, bah c'est plutôt Pedro Itribuli déjà, il fait pas que de la glace. Hein. Il a grandi dans Bah non, mais excusez-moi, enfin moi j'ai rien contre ces gens-là, mais juste quand tu parles de vêtements pendant trois lignes, bon, y a pas besoin d'être un génie pour savoir mais... ce que c'est. Mais oh là là, mon Dieu. Je vais pouvoir ajouter à mon personnage homophobe. Oui. Voilà, vous venez de l'apprendre, c'est quand même dommage. Il suspecte que de la classe. Putain. Non, mais il a dit quoi, des francs freluches en lin blanc. Enfin bon. Oui, d'accord, mais c'est quand même pas le nœud du problème. Non. Je sais pas, mais moi ça me perturbe assez. Enfin, je veux dire, c'est assez compliqué pour moi de gérer ça. Vous avez toujours été étroits d'esprit, les humains. Ah, il y a beaucoup de. Merde, j'ai plus le. Fanfreluche. Vous portez beaucoup de fanfreluche, vous? Regardez-moi. Oh oui, vous aimez la fanfreluche. 23. On est le combien? On est le 18, donc c'est dans 5 jours. Dans 5 jours. Mais j'ai un peu de mal à savoir où est-ce que c'est. Bah juste... Attends, on ne sait pas où c'est. C'est ça la question, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que là, Corios, il est parti avec ses hommes rejoindre le siège de Minenkar. En 5 jours, il va pas revenir faire une petite fiesta à Valcorie. Bah du coup, il prend Minenkar et il invite...
Et il invite la duchesse et tout. C'est bizarre. Mais il invite pas la duchesse, il invite le duc. Accompagné de la duchesse. Ah bon? Accompagné de la duchesse. Le duc de Valcorée accompagné de la duchesse de Bertignac seront présents. Non, la duchesse de Bertignac, c'est pas la même. On l'a pas vu, hein, la duchesse. La duchesse de Bertignac, on ne la connaît pas. Ah donc le duc de Valcorée. Est-ce que je la connais, la duchesse de Bertignac en tant que noble? Oui, moi aussi. Tu en as entendu parler, oui, effectivement. Il faut absolument que cette lettre finisse dans les mains de la duchesse, hein, rapidement. Tu ne sais pas à quoi elle ressemble, en revanche, ouais, mais... Oui. Attends, excuse-moi. On sait pas à quoi elle ressemble, mais... Tu sais pas à quoi elle ressemble, mais oui, tu la situes, oui. Oui, oui. Et je connais quoi d'elle, en gros? Pas grand-chose, à part qu'elle est... Aucune rumeur particulière. Rien qui te soit tombé à l'oreille, en tout cas. Il sait si elle a un mari, cette duchesse? Oui, elle est mariée au duc de Bertignac, oui. Ok, donc il y a un mari. Et là, c'est bizarre, parce qu'en fait, on a que le duc de Valcorée et la duchesse de Bertignac. Ça se trouve, il y a une sorte de vieux complot bizarre avec... Ouais, peut-être. Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi la duchesse nous envoie ici, comme si elle voulait prendre le château, alors que son mari travaille avec... Non, enfin, c'est pas la travail. Duchesse. C'est pas la duchesse. Duchesse. Non, mais c'est non, le... mais non, c'est pas la duchesse. Mais c'est la femme du duc de Valcorée. Ouais. Ah oui. Mais elle est peut-être pas au courant, elle, tout simplement. Peut-être qu'elle est pas au courant. La femme du duc de Valcorée, c'est la duchesse de Bertignac. Non. Non, justement. Enfin, non, moi, la femme du duc de Valcorée, c'est la duchesse de Valcorée. Deux duchés différents. Oui, c'est deux. Voilà. Mais du coup, il y a une entourloupe poule, hein, parce que là, faudrait voir avec le duc de Bertignac aussi. Ça se trouve, il est pas au courant. Je connais vraiment une initiative. Pareil. De pareil, de nom, tu ne l'as jamais vu. De nom. Bah, nous, ce qui compte là, c'est qu'on on se concentre sur la duchesse. Ouais, bon, déjà, on prend cette lettre, on la met dans nos affaires parce que ça, c'est une preuve formelle d'une alliance entre le duc de Valcorée et Corios. En tout cas, ça met les bases de quelque chose et pas de bonne chose. Et vous avez vu qu'ils veulent absolument arracher la jarre des mains de leur ennemi? Ouais. Oui. Ça, on était déjà au courant, ça. La jarre profane, c'est un... Comment dire? Une relique qu'on aurait transportée, possiblement? D'accord, très bien. C'est possible que ce soit un peu de notre faute, ouais. Non, mais... L'ordre des profanes, ça vous dit pas rien, quoi. Bah, ça nous dit pas rien... Là tout de suite, si. Non, on a zéro souvenir de ça. Mais... Le mec a peine suspect. Ouais. Ouais. Peut-être. Ça nous a peut-être dit quelque chose il y a deux semaines, mais là non. Ouais, on se souvient pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, la jarre profane, c'est quelque chose qui a été entre nos mains, ça c'est une évidence. Et l'ordre des profanes qui nous a parlé tout à l'heure? On a entendu parler en disant qu'il fallait les éviter. Je me souviens plus. A priori, vous les avez pas trop évités, vous. Oui, bah ça va. Non, on s'en souvient. Ah non, mais c'est pas une critique, hein, c'est juste que... Non, mais t'as raison, mais disons qu'on s'en souvient pas, fondamentalement, c'est ça le problème. C'est que... on est que dans du spéculatif, là. Qu'on en sait pas plus. Mais j'ai quand même le pressentiment qu'on a merdé, Albert Joseph, je m'adresse à vous. Il va vraiment falloir qu'on se rachète ou qu'on prenne parti, parce que ça se trouve, ce Corios avait des arguments de choix, mais franchement, c'est quand même un esclavagiste et tout. Hein. Donc, Mais non, mais à quel moment on est avec Corios? Ils veulent ramener la fin du monde et invoquer leur divinité. Ah oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. Ah non, de toute évidence, on n'a jamais collaboré avec Corios, il a toujours envoyé nos hommes, il a même dit des pleutes qu'on avait la relique et qu'il nous cherchait pour ça, donc on n'a jamais été avec lui. Il y a juste un moment, on a merdé sur quelque chose, mais sauf que c'est l'ordre profane qui est tombé dessus. Je pense que H et Elisa avaient quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est que là, ils sont en train d'assiéger une ville parce qu'on a laissé la jarre là-bas. Et on n'a jamais dit qu'on les a laissés entre mauvaises mains. Peut-être qu'on les a laissés en très bonnes mains, que ça nous paraissait tout à fait logique à ce moment-là. Parce que dans ce cas-là, selon ta théorie, pourquoi on serait venu ici et qu'on n'aurait rien fait? Bah, on est venu ici, on les a massacrés, on avait déjà la jarre entre possession, il faut le savoir. Parce que quand on nous a vus à Promur, on avait déjà la jarre. Donc ça fait longtemps qu'on avait la jarre. Pour moi, la jarre, on devait l'amener au nord, de toute façon. Exactement, on est remonté avec la jarre et on a massacré tout le monde sur notre chemin. Donc quand on l'a laissée dans la ville de Midenkar, je sais pas pourquoi on l'a laissée là-bas, mais je pense qu'on avait de bonnes raisons. Ça se trouve, je sais pas, on a perdu la mémoire, ça se trouve, on est tombé sur quelque chose... sur le chemin de là-bas, ou enfin voilà, en tout cas Midenkar, ça a l'air d'être plutôt un lieu qu'il faut qu'on protège, parce que s'ils avaient la jarre profane, de toute façon, si c'était entre de mauvaises voies la jarre profane, logiquement, tout se serait déjà très mal passé, Kimouk se serait revenu, si je me trompe pas sur le... Exactement. Ouais. Et on aurait déjà perdu, en tout cas.
Voilà, le gros bémol, c'est qu'on ne se souvient de rien. Alors pourquoi on se souvient de rien, ça, ça reste toujours en terme. En tout cas, on aurait fait quand même quelque chose de relativement positif, mais il y a un endroit où ça a merdé, après, auquel... Ouais. Et quand vous dites que Corios veut invoquer une divinité morbide ou je sais pas trop quoi, on est en train de parler de la fin du monde, là ? Oui, oui, oui. Oui, après, ouais. Ouais. Très bien. Bah, disons que c'est une dieu de la peste, on va dire ça comme ça. Oui. Donc, je vous laisse imaginer le résultat. Ça va appuyer, quoi. Désolé, Elizard, tu t'es vraiment embringué dans quelque chose qui nous dépasse. Non, mais je crois que je préfère être au courant. C'est un peu les 5 minutes de la révélation, hein, désolé. Tu vois, bon, ça fait beaucoup d'infos. Ok. Bon, moi, je mets toutes les lettres dans mon sac et... Ok, tu peux les noter, 3 lettres de Corios, du coup. On met pas dans un ravin. Non. Mais bon, ça va. Je prends par critiquer. Vous entendez courir derrière vous. Vous entendez des pas sur la pierre. Et à l'entrebâillement de la porte derrière vous, vous voyez Courtenay. J'y suis moi. Ouais, tu vois Courtenay, Elisa. Il dit y a plus personne devant. Oh. Ils sont tous barrés. Bah fouille, putain. En même temps. Et personne aux alentours, t'as pas vu de fumée, de la lumière? Non, rien du tout. Non, rien du tout. Bah tant, jour, pis, tant pis, tant pis. J'étais bien passé devant des connards dans des geôles. Oui, ça, y a toujours les 3 maraudeurs dans la geôle. Ok. Oh putain. Bah écoutez, il va falloir qu'on prévienne la duchesse assez rapidement, je pense. Bah j'ai toujours le pigeon voyageur, il faut... qu'on se décide qu'est-ce qu'on écrit et on l'envoie. Alors je pense qu'on peut être très honnête hein, sur le fait que d'une, le château, on l'a libéré des gardes qu'il y avait, on a libéré les prisonniers, ils sont partis sans rien nous dire, et voilà. Et que les gardes qu'il y avait, on les a mis actuellement dans les geôles, ils attendent d'être jugés. Ça c'est très honnête. Hein. Est-ce que tu veux pas qu'on... Enfin, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu veux pas qu'on advienne... qu'on ajoute aussi le contenu de la lettre numéro 3? Non. Il faut surtout pas qu'on fasse non. Ça parce qu'on ne sait pas le pigeon voyageur à qui il va aller. Ça se trouve, il va aller justement au mari. Et donc le mari, il va intercepter. Ça, c'est en main propre ou rien. Et qu'on aimerait une rencontre, une rencontre avec elle, justement, dans le donjon. Au donjon. Ouais, on dit rencontre urgente avec elle. Après, est-ce que la duchesse, elle se déplacera jusqu'au donjon? Bon, on peut retourner là-bas, mais bon, ça fait un peu de retour, quoi. Mais est-ce que le pigeon peut revenir vers nous pour livrer le message? Eh non, il a pris qu'un seul chemin, tu te rappelles? Ouais, parce que le souci, c'est qu'attendez, on est le combien aujourd'hui? On est le 18. On est le 18 et le truc, c'est dans combien de temps? C'est dans 5 jours. Pff, on peut pas faire l'aller-retour, hein. Non, on peut pas faire l'aller-retour, malheureusement. On peut pas lui donner un rendez-vous sur le chemin? Me dire de nous retrouver quelque part. Ouais, bah attends, faudrait qu'elle accepte, on n'aura aucune certitude qu'elle accepte. Et on peut attendre dans le vide pendant 3 jours. Hein. Ça, c'est vrai. Ouais. J'ai l'impression qu'on va devoir se démerder tout seul, hein. Je commence à un petit peu voir le truc. Non, mais se démerder tout seul, ça veut dire quoi? Qu'on va au siège de. Ouais, de. On va arriver dans une ville assise. De Bidenkar. Ça va être chaud. Hein. Ils ont l'air d'être nombreux au siège. Hein. Ah, parce que quand tu vois la liste, ça rigole zéro, hein. C'est une armée. Hein. Oui. Et ça avec des renforts. Donc c'est plusieurs centaines d'hommes, voire des milliers, donc... On est à combien de Middlecar? On est à combien de Middlecar là? On le sait ou pas? Vous savez qu'il y a les chefs blancs à traverser. Et... Vous savez pas trop combien de temps ça pourrait mettre. Moi je connais, hein. Ah, vous, Elisard, vous savez y aller? Oui. Et de votre expertise, est-ce combien de temps on mettrait? Il y aurait bien 4 jours. Bien 4 jours. Dans tous les 4 jours sans dormir. Dans tous les cas, on n'arrive pas à temps. Si, on arrive à temps. On arrive un jour d'avance. Parce qu'on est seul 23 Freemers, donc on a 5 jours à partir de maintenant. Non, mais on est d'accord que si Middlecar tombe et qu'ils ont la jarre profane entre leurs mains, c'est terrible. C'est fini. Ah, c'est finito, ouais. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on a le choix? Ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer le pigeon expliquant le.
Parce qu'ils sont exactement. Pas au courant du siège. Ils sont pas au courant du siège de Midenker. Exactement, et qu'il faut des renforts urgents pour Midenker. C'est-à-dire qu'on irait et en backup on aurait donc l'armée qui remonterait pour oui. nous aider. Oui, oui. Et nous faut qu'on trouve un moyen de rentrer. Qu'on rentre dans Midenker. Bah ouais. Ouais. Oui. C'est ce qui me semble le plus logique. Mais tellement dangereux. Pour ça, à mon avis. Et est-ce que tu sais, Elizar, depuis Valkorie, combien il y a de temps entre Valkorie et Midenker? Oh bah alors là, on est sur une bonne semaine complète. Hein. Ah oui, facile. Oui. Donc eux n'arriveront jamais à temps. Mais ils n'arriveront jamais à temps. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'ils... Non, mais ils vont se rencontrer là-bas, mais ça veut pas dire que la ville sera tombée dans 5 jours. Peut-être pas. Parce que le oui. rituel, ça voudra 23 frimaires. Oui, mais à mon avis, le rituel, c'est pas juste pour serrer la main et faire la fête. Hein. À mon avis, c'est autre chose. Ouais. C'est plus genre on ouvre la porte et il se passe de la merde. Hein. Après, la question, c'est encore une fois, est-ce que le truc sera fait à Midenker, hein, ça se trouve. Mais oui, non. Parce que Corio, c'est lié. Ouais. Oui, mais est-ce qu'il le fera vraiment là-bas, sa fiesta avec l'autre PD là. Non, mais ça, c'est vrai. Là, on aura une journée pour le trouver, quoi. Les deux enfoluchés. Attends, on a vraiment pas le droit à l'erreur. Dans tous les cas, on peut pas compter sur Valkorie. La duchesse, on peut que l'informer. Et on est tout seul, quoi. Ah ouais. On peut moi, que l'informer. Je commence à sentir une petite boule dans mon ventre. Un peu de ouais, pression. Aussi, je suis en mode waouh, les choix sont quand même limités. Et je sais pas trop. Bah, surtout, je sais pas ce qu'on pourra faire à Midenker face à une armée. Mais je pense j'ai, que beau, j'ai beau vouloir de l'héroïsme que... et de la gloire là. Est-ce que Elizar, vous avez, je sais pas, des chemins un petit peu détournés sur Midenker, des rumeurs que vous avez entendu parler pour rentrer discrètement dans la ville? Je ne sais pas, hein, je pose vraiment la question comme ça quoi. C'est moi réfléchir. Pas vraiment. Sinon, malheureusement. Oh putain, promure. Hein. Pas vraiment. Elizar connaît de vue la cité de Midenker. Il y est toujours entré par l'entrée principale. C'est une cité naine. Mais il n'y connaît pas les raccourcis ou les passages secrets. Ouais. Si t'es naine, il y aura un truc dans les tunnels, il y a un truc à trouver. Courtenay, t'es jamais allé à Midenker, toi? Non, jamais, non. Et même si on arrivait à y rentrer, en fait, qu'est-ce que ça changerait? J'ai pas bien suivi. Bah, on pourrait avertir qu'ils vont faire le rituel de Kimux. Bah, surtout, il faut qu'on l'arrête, quoi. Oui, oui. Si on arrive à aller jusqu'à eux, on pourra peut-être sortir discrètement avec la jarre et l'extirper, va savoir, je sais pas. C'est ça qui s'y tombe là. C'est une jarre. Possibilité. S'ils ont la jarre, en fait, on a perdu. Après, juste à ramener la jarre quelque part. Si je peux me permettre, Courtenay s'avance un peu, il vous entend parler. Si je peux me permettre, les hommes de Corios lui sont très loyaux et fidèles. Peut-être qu'en tuant Corios, ça arrêterait tout. Bref. Sur une échelle de 1 à 10, Corios, vous le classeriez à combien pour le combat? Bah, ça dépend. 10, ça sera un grand dragon des glaces. Ouais. Bon, bah, je dirais un 8. Ah, quand même. Et 9, pour vous, c'est quoi à peu près? 9, on peut dire une armée de morts-vivants. Comment il est devenu si puissant, Corios? Il a été formé par l'autre, là, Francis. Non, mais être formé, c'est quelque chose. Il mais, a été formé, il a prendre aussi... des cours de combat, ça fait pas tout. Il a aussi suivi des... Il a aussi énormément lu de bouquins magiques, et puis il a été aussi formé et pris sous l'aile de l'ordre profane, qui lui a conféré certains pouvoirs. Et lui-même magicien, pas du tout? Oui, il pratique la magie, oui. Une magie noire, par contre. Ouais, pour ça, je m'en doutais. Il est presque aussi doué que moi, ça m'étonne. Et si on y va, et on invoque un cochon. Pardon, je suis désolé, je balance ça comme ça de but en blanc. On y va, on invoque un cochon. Parce que je viens d'y repenser là, mais la dernière fois, le cochon. C'est vrai qu'on a un cochon. Ouais. Il y a quand même un cochon qui pétrifie tout le monde. Hein. Il va venir jusqu'ici. Ah bah écoutez, vous voulez que j'appelle? Non. On peut se cacher le visage, je sais. Non. Est-ce que quelqu'un peut encore fermer la porte? Putain, non. La seule faiblesse de ce cochon, c'est les portes. Faut juste qu'il puisse rentrer. Vraiment, il est invincible, le truc. Moi, je vois qu'une solution, hein. C'est d'aller à Midenker et essayer de tuer Corios. En... Mais il faut... Il faut qu'on envoie ce pigeon, il faut qu'on envoie des infos, il faut qu'il y ait au moins l'armée qui risque de venir, c'est où ça tourne mal, va savoir. Ouais, mais dans tous les cas, ils arriveront trop tard.
C'est ça le problème. Ah, enfin, trop tard, ils peuvent prendre la ville, mais la jarre profane, il faut qu'ils la mettent avec quelque chose. Je crois que c'est pas juste ils ont l'objet. Et je sais pas. Ça se trouve, le rituel prend plusieurs jours à se faire, tu vois. Il y a un moment, faut qu'on... Oui, clairement. Faut qu'on amène tout. Je veux dire, il faut qu'une armée vienne, il faut qu'ils combattent ce mec, il faut qu'il y ait quelque chose. Exactement, et puis ça va faire des pierres qui vont se... Même si on arrivait à tuer Corios et que les autres partaient dans tous les sens, faudrait quand même s'en occuper. Ouais. Ça pirait la région dans tous les sens. Envoyons le message, mais le souci, c'est moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui vient juste après. Il va falloir qu'on aille au Middlecar et qu'on essaye, en tout cas, avec nos moyens, d'arrêter ça, ou du moins de les ralentir le temps qu'ils arrivent. Quoi. Oui. Oui, oui. Bon, eh bien, écrivons cette lettre. Hein. Écrivons la lettre. Je sors une lettre pour mettre au pigeon, je la mets au milieu, allons-y. Que mettons-nous sur cette lettre, mes chers amis? Bah que déjà nous sommes arrivés, non sans encombre, au bastion de... Comment il s'appelle là où on est là? Darmetra, le donjon d'Armetra. Darmetra, le donjon d'Armetra. De lui que nous écrivons actuellement du donjon d'Armetra, que nous en avons pris le contrôle, que les gardes sont dans les geôles. Neutralisés. Que Corios et son armée... est parti dans la direction. Est assiégé, non, carrément. Pour assiéger Midgard. Assiéger Midgard, exactement. Une aide de toute urgence est demandée, quoi. Et puis, car la ville risque de tomber aux mains de Corios et son armée. Vous trouverez en pièce jointe trois lettres. Trois en pièce jointe. Après, la question, c'est le pigeon, il devait juste aller là-bas et être récupéré. Mais il a raison. Si c'est lui parle duc, on est dans la merde. Ça, c'est vrai. Bah après, lui parle duc, on est dans la merde. Après, le duc, il est déjà parti. Parce que pour qu'il y soit en 5 jours, c'est qu'il est déjà parti. Ça se trouve, il est déjà parti. Peut-être... En fait, comme on va pas la recroiser, à moins qu'elle vienne en haut et c'est dans super longtemps, peut-être ça vaut le coup de la mettre, hein, la lettre. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas con. Parce que s'il doit y être, il est déjà parti en fait. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que vous voulez pas mettre la lettre. Bah, si Elisa vous rejoint, mettons la lettre. Que ce soit tombé. Ouais. Que ce soit la lettre soit détournée en fait et qu'une info passe complètement à l'as. Mais après dans ces cas-là, ça se trouve si c'est le duc qui récupère quoi qu'il arrive, au pire il cachera le siège de Midgard. Enfin je veux dire après on peut se considérer qu'il cachera pas que cette info-là. De toute façon le duc il est forcément parti. On peut la joindre. Il est parti. Il a raison en fait, il est déjà parti. On peut joindre la lettre je pense. Ouais. Parce que c'est un seul jour de voyage, il est parti depuis au moins 2 jours. Ok. Ok donc on peut marquer 6 juin... Nous vous confions cette preuve que votre mari est au courant de ce qui se passe, parce qu'a priori c'est ce qui est le cas. Et possiblement allié de Corios. Ça va lui faire bizarre quand il va croiser tous les otages. On peut lui dire aussi de se méfier du coup de sa cour, parce qu'en fait le problème c'est que si le duc lui-même est là-dedans. Il y a peut-être aussi des petites oreilles, petites mains. Après, elle est pas conne, hein. Si elle voit que son mari est son ennemi, elle se doutera qu'il y a sûrement des gens infiltrés. Après, faut-il encore qu'elle nous croit, hein. Attention. Hein. C'est oui, bien sûr. Faut lui dire aussi qu'on a libéré des prisonniers qui se sont dispersés, ont refusé de nous suivre. Ils sont dispersés dans la région et sûrement sur le chemin du retour. Ils sont une cinquantaine à peu près. Et que nous, on prend la direction de Middlecar. Et nous, on prend la direction de Midenka. Ouais. Ok. On lui parle à aucun moment de la relique. Non, de toute façon, qu'est-ce que cela importe pour elle, la relique? Bah, si tu dis, ça prend une ville, ok. Si tu dis que ça prend une ville et une relique magique s'y trouve et s'ils la prennent, c'est la fin du monde, c'est pas la même chose. Oui, t'as raison. Ouais, non, c'est vrai, il a raison. Je dis même pas ça sarcastiquement, je dis simplement qu'en termes d'urgence. Je pense qu'on est dans le cas de figure où j'ai l'impression que si on fait de la rétention d'informations, c'est-à-dire que autant quasiment rien dire à part il y a un siège à Midgard, soit on balance tout parce que quoi qu'il arrive, on ne sait pas dans quelle main ça va tomber, donc au pire ça tombe dans les mains de l'ennemi. Bon bah écoute, d'accord de balancer tout. Ouais. Elle aura jamais la lettre et si ça arrive à bon port, bon, je sais pas. J'avoue, je trouve pas que le choix est un peu limité. Faisons ça, faisons ça. Ok. Donc je note tout, je fais mon truc là pour le pigeon. Tac, et à la fin je marque Albert Edison, un génie sans limite, assez discrètement. Je te laisserai et sa troupe.
Je vous laisserai après la session m'écrire exactement ce que vous dites avec ce que vous mettez. Oui, ce sera mieux peut-être après. Ouais. C'est sûr. Ça va être long. Sinon. Voilà. Ok, on fait partir le pigeon. Je considère. Attends, je vais quand même poser mon seau aussi dessus. Il y a pas de raison. Tu n'as pas le temps, il est déjà parti le pigeon. Bah non, mais j'ai écrit, je l'ai lancé. Voilà. Je suis désolé. Il est pas sorti de la pièce. Ouais. Désolé, bah c'est un pigeon, il connaît le chemin n'importe où dans la pièce. Tu le mets dans une caverne, il retrouve la sortie. C'est juste retourner là-bas, c'est tout ce qu'il sait faire. Ok. Bon, maintenant faut s'occuper du warg. Oh, mais c'est pas vrai que son warg il nous emmerde. Mais c'est pas ça, mais le warg il faut, tout, faut qu'on ait des provisions pour là-bas. Hein. C'est vrai. Des provisions, bah, provisions, on en a. Hein. Ah bon? Vous avez combien de jours de provisions? Alors déjà, je te permets pas de me parler de comme moi. Moi j'ai 2 jours, 3 jours. Attends, j'ai 5 brioches et 2 rations. Donc ah non, j'ai 4 brioches, j'en ai filé. Ça va pas aller bien loin quoi. Oui, on peut monter le war, mais. Tomates pourries dans la cuisine. En fait, ce qui m'embête avec cette histoire de war, c'est que. Je pense qu'il faut y aller très fort, très très vite en termes de dégâts. Et cher magicien, j'ai l'impression pas dans l'idée de le tuer, vous êtes dans l'idée de l'apprivoiser. Et j'ai l'impression que ça pue. Moi j'étais parti pour, mais. Oui, mais le problème c'est qu'il va falloir voir que ça se passe mal. On n'est pas en état. Attends, ah non, on n'a pas un truc de contrôle des mammifères. C'était le bouquin. Non, t'as un parchemin. Non, c'est traçage. Ouais, c'est traçage. Moi je compte sur vous insectes, pour un petit peu lui lancer des éclairs et finir cette créature d'un coup et on n'en parle plus. Si, oui, puis mais faut pas foutre le feu à la cuisine parce que sinon on aura fait tout non, ça pour rien. Oui, c'est des éclairs, c'est non, pas mais lié des éclairs. Non, mais non, parce que ça fout vraiment une zone d'éclairs, ça fout un bordel pas possible. Oui, bah le warg, vous voulez le tuer comment? Bah, moi je voulais juste la pâté avec de la nourriture. La pâté avec de la nourriture, mais vous en avez même pas assez pour. On a déjà pas assez pour nous de la bouffe. J'ai 5 rations, moi. Oh, j'ai 5 rations si vous voulez, on y va pas, mais bon, franchement, on passe à côté de quelque chose qui pourrait être intéressant. Bah, écoutez, ce qu'on fait, c'est que vous essayez de l'apprivoiser, nous on est un peu derrière. Et si ça se passe mal, on regarde. Je suis d'accord avec ton plan, Joseph, mais le problème c'est que est-ce que t'as des compétences pour dompter un animal quoi? Parce qu'à mon avis, ça se fait pas comme ça, genre en mode tiens, je te donne un snake et puis c'est bon quoi. Ouais, puis on vous a vu avec un cheval hein. Bon, vous savez quoi, vous êtes tellement négatif, ça m'a découragé. J'essaie même pas de le tuer, le warg. Moi je me tire. De toute façon, j'ai assez de rations pour tenir le chemin, débrouillez-vous. Bah, parfait. En tout cas, c'est bien ce qu'on peut discuter. Non, mais moi je serais pour la buter, la créature. Et au pire, on la cuisine. On doit ça bien se bouffer, un warg. Oh. Non, mais vous, Elisir, oui, je suis désolé, c'est pas de votre alimentation. Mais moi, par exemple, pour bouffer un warg. Pendant qu'ils discutent un petit peu, moi je vais partir avec Courtenay récupérer une des armures en cuir fourrure et les armes d'un des maraudeurs là. Okay. Et puis je vais filer tout ça à Courtenay, je lui file une ration. Okay. Et puis je lui dis, écoute, si tu veux racheter ton honneur pour avoir été un jour parjure avec Corios, bah tu peux te joindre à nous et puis. Après pour la traversée des chèvres blancs, vaut mieux être bien équipé en termes de froid, hein, je vous préviens. Ouais, bah là justement, l'armure est faite pour un truc de maraudeur. Et on est équipé, on regarde, il s'équipe et il te serre la main, merci beaucoup Ash, merci beaucoup, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Ce sera un honneur de vous servir. Il range. Servir, au moins servir une bonne cause. Il range une petite dague dans un fourreau. Il enfile une grosse armure de fourrure. Et tu vois déjà qu'il a une autre allure. Il se sent déjà un peu plus fier, un peu plus guerrier comme avant. Ok. Albert, t'aurais pas une arme un peu plus. Parce que là, il a juste un petit couteau. Là. On pourrait pas lui filer une épée au moins? Ouais. Et je vous donne ma dague en échange. Non, non, mais garde ta dague. Je suis. Je veux bien. Bah, je peux lui demander. Bon, moi, j'avoue, Ash, vous placez énormément de confiance en cet homme. Bon, je vous suis, hein. Ça fait quand même un moment que nous sommes ensemble, donc je vous fais confiance. Mais faites attention, hein. Faites attention. Mettez pas trop de confiance en quelqu'un qu'on connaît depuis 5 minutes. À peu près, voilà. Courtenay, putain, j'ai vraiment du mal. Hein. Courtenay, ça me fait rire. J'ai Courtenay. Que préférez-vous, épée ou hache? Je suis bien plus habile avec 2 épées. Ah oh bah ça va. Mais une fera très bien l'affaire. Non non, mais autant vous faire confiance jusqu'au bout. Je vais vous donner les 2 épées. C'est vrai. Et je regarde hache et je fais. Il demande beaucoup quand même. Je fais un petit acquiescement. Je lui fais. Laisse-le faire ses preuves.
Tenez, voilà deux épées un peu grossières, mais bon, ça tranchera un homme. Il prend ses deux épées et tu vois qu'avec un bout de cuir dans la gorge. Tu vois qu'avec un bout de cuir qu'il a trouvé, qu'il avait sur lui, il arrive à se fabriquer quelque chose pour foutre les deux épées dans son dos, comme ça. Bah, remarque, si on peut avoir quelqu'un qui sait se battre dans le groupe, ça peut être pas mal. Pas faux. Alors, juste une question qui est pas bizarre, le livre qui fait dormir, il fait dormir quand je l'ouvre ou quand je le lis? Quand t'as commencé à le feuilleter, donc quand tu le lis. Merde. J'ai espéré ouvrir le bouquin en face de quelqu'un. Tiens, dors-toi maintenant. Je réfléchissais à endormir le warg. Ok, Corios, ouais. Je veux bien t'affronter, mais d'abord tu dois lire ce livre. Bon, faut d'abord que j'apprenne à lire au warg, oui. Et après, je fais lire le bouquin. Ça va être beaucoup de boulot. Hein. Déjà, apprends-moi à lire, moi, que je sois un peu plus autonome. Oui, mais pas ce livre-là. Non, pas celui-là, non. Bon, est-ce qu'on règle la question du warg? Qu'est-ce qu'on fait, là? Je suis quand même motivé pour essayer de l'apprivoiser. Droguer le warg. Mais non, mais attendez, pas avec ça. Bah, je sais pas ce que ça fait, cette drogue, ça se trouve, ouais, franchement, on sait pas. Non, ça n'endort pas, attention, méfiez-vous. Mais qu'est-ce qu'on sait? Il va en prendre, il va être remonté, mais comme un coucou, on va rien comprendre. Ouais, après, c'est possible que ça l'excite aussi, ouais, j'avoue. Ça s'appelle le courage des pleutres, attendez les gars. Vous avez fait tout votre inventaire là pour savoir un petit peu ce que vous auriez pour le warg? Bah pfff... Pour essayer de lui parler en elfique quoi, j'ai un dictionnaire. Mais... Moi j'ai un livre pour cultiver son potager, bon... Écoutez, J'ai un apôt en os pour appeler un petit cochon. Ah le cochon ça pourrait être... Il va le faire bouffer le cochon, ça va être chaud. Va être chaud de ouf. C'est vrai que jusque là on sait pas si ça marche sur les bêtes aussi. Hein. Ça se tente, mais après attends, parce que ça veut dire que le cochon vient, ça immobilise le warg, et qu'est-ce qu'on fait après? Et nous on va prendre la nourriture dans la salle avec les yeux bandés. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc, enfumer le warg, faudrait faire un truc un peu indirect, vu qu'en termes de combat au corps à corps, on est quand même pas les meilleurs, à part notre ami, bien sûr, Courtenay, qui a l'air plus à l'aise avec ses épées. Mais attention, l'enfume. Est-ce qu'on peut pas l'enfumer? Ouais. Alors après, je sais pas le terme d'aération, ce qu'il y a là-bas. L'enfumer. Ouais, et puis après, on libère le couloir jusqu'à la porte d'entrée et sortie, et puis on le fait sortir, quoi. Non, mais. Vas-y, juste le feu au donjon, je vous dis. Ça, c'est juste pour récupérer 3 tomates dans la cuisine, on est d'accord? Non, là, soyez pas désagréable. Moi, je reste motivé sur le fait de le dompter. Hein. Oui, ah oui, parce que pour vous, le dompter, c'est plus logique. Ah bah, excusez-moi. Non, mais moi je veux bien, mais Joseph, ta tactique pour dompter le warg, c'est quoi? Bah, je vais lui jeter de la nourriture à ses pieds. Déjà, il devrait m'apprécier, logiquement. Non, mais ok, moi je suis pour. Je vote pour. Attends, la suite, là, c'est là que ça va être marrant après. Bah, attends, pendant qu'il mange, j'ai pas envie de me faire spoiler. Attends, voilà. Pendant qu'il mange, je l'approche doucement, pas trop, parce que les warg peuvent être agressifs quand ils mangent. Et une fois qu'il a fini, j'essaye de le caresser gentiment. Et après la caresse, qu'est-ce que vous faites? Non mais une fois que vous aurez perdu votre main, qu'est-ce que vous faites? Joseph, si c'est pour ton bien, mais ça peut foirer à n'importe quelle étape de ce que tu viens de dire. Quoi. Mais tout ce qu'on fait peut foirer à n'importe quelle étape de ce qu'on fait. Non, même mais sauter un warg. C'est vrai ce qu'il dit. Il doit manger 100 kilos de bidoche, le machin, tu vas lui lancer 2 saucisses, il va te niquer, il va bouffer toi au lieu des saucisses, enfin je veux dire. Il faut vivre l'aventure. Regardons Joseph vivre l'aventure. Moi je suis aussi curieux que vous, hein. Moi vous savez, voir des expériences ça me plaît beaucoup, mais. Bon bah voilà, allez, tout le monde veut regarder, personne veut t'aider, Joseph. On vote. Mais comment on peut l'aider? Il faut juste jeter de la bouffe et caresser un warg. L'aider en ça, je comprends pas. Bah, le problème, c'est que là, pour l'aider, il faut se tenir à distance parce que déjà, dompter un animal, c'est chaud, mais déjà, mais... tout seul. Mais non, mais c'est pas ça. Je pense que vous partez du mauvais postulat. Cet animal n'est pas sauvage. Il est ici, c'est que c'est un warg dompté, c'était une monture à la base. Mais comment t'expliques que les autres maraudeurs aient pas réussi à le faire sortir de la cuisine, à mon avis? C'est parce que c'est des pleutres, les autres maraudeurs, ils nous ont vus, ils ont lâché leur arme. Enfin, si on l'a foutu dans la cuisine, c'est qu'ils nous devaient bien nous faire chier, hein. Bon bah allons-y. Oui, bah, je pense qu'à ce moment-là j'avais encore... N'oublie pas le truc de si jamais on l'a déjà vu, qu'on lui a fait mal, de la peur ou quoi, bah ton domptage il va être 3 fois plus compliqué. Mais encore. On verra bien. Bon bah allons voir. Ah oui, genre on a nos vies... Encore une pas. Fois, c'est déjà un warg apprivoisé, il faut juste le mettre de bonne humeur. Oui, moi je reste pas distant. Puis c'est qu'un warg, c'est un genre de gros loup quoi, enfin c'est pas... Encore si une un fois, loup, c'est déjà de base c'est pas si violent. Rien de plus qu'un loup de la taille d'un rhinocéros. S'il y a des gens qui arrivent à le monter, je vois pourquoi je pourrais pas le faire. Allez, allons-y.
Ok, alors Joseph, tu vas m'expliquer pas à pas ce que tu veux faire. Et je t'arrête quand il y aura un jet ou quelque chose à faire, ou que quelque chose de particulier se déroule. Alors là, okay. Attendez, alors, faut que je trouve un endroit alors, pour bien je veux savoir déjà premièrement où se trouve chacun d'entre vous. Ok, placez vos pions. Alors, moi attends, je le regarde faire, je suis genre là. D'accord. C'est par là que tu passes. Il manque H. Oui, ah ouais, je pense attendez, que c'est là on aura le meilleur angle. Moi, je me mets là, de l'autre côté de la porte. A chaque okay. fois, hein, c'est vraiment... Et Courtenay vient avec nous. Et Courtenay, et Courtenay. Alors, moi je me fous là à table hein, parce que vraiment. Je compte prendre deux rations de mon sac. Ouais, ouvrir la porte doucement, l'entrouvrir, pas complètement l'ouvrir et jeter directement les rations de l'autre côté. Dans sa gueule. Dans la cuisine. Non, attendez, laissez-le parler, c'est important d'accord. de laisser faire et de ne rien dire. Et garder la main sur la poignée, prête à refermer la porte parce que de toute façon, la porte, j'imagine qu'elle s'ouvre vers la cuisine. Oui, tout à fait, elle s'ouvre dedans. Donc mais... si le warg pousse, ça referme la porte. Donc oui. Je vais pas l'ouvrir assez pour qu'il puisse rentrer. Mais d'accord. juste assez pour qu'on puisse... que je jette et que je vois le jeter et qu'après il puisse me voir aussi. Que je le vois aussi. Ok. Mais c'est important, là, les contacts, okay, okay. Dans ce genre de situation. Je comprends, je comprends. Ok. Tu arrives à entrouvrir la porte. Très délicatement, ouais. De tout je le fais délicatement. Ouais, 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 tu fais ça doucement, délicatement. Tu entrouvres la porte, tu jettes une ration et tu vois d'un coin de l'œil la tête du warg qui était endormi se lever et regarder dans ta direction. Et il voit la ration. Voilà. Et il se jette sur la ration tout de suite. J'attends qu'il ait fini, je le regarde vraiment, je vois comment il réagit. Il finit ça en une bouchée, et puis ensuite il a des petits yeux presque un peu fermés, et il te sent, tu vois qu'il renifle dans ta direction, il est maintenant debout. Et je l'en jette une deuxième. Tu jettes une deuxième ration, mmh. Et fais-moi un jet à des 20. 7. Ok. T'arrives à jeter la ration et tu vois que le warg la mange calmement. Et il renifle dans ta direction. Et il s'approche un peu de la porte. Tu vois là, cette j'en trouve grosse doucement masse la porte. De muscles qui s'approche. Et il commence à montrer un peu les dents. Je lui mets la main un peu au-dessus. Je reste assez loin, tu vois. Et je mets la main en oblique un peu au-dessus de sa tête. Tu vois, un peu... au-dessus du niveau de sa tête, mais assez loin encore, pour faire un geste un peu pour le calmer, tu vois, pour vraiment lui montrer que y a pas de problème, tu vois, comme on peut faire un chien. Mmh. Ok, fais-moi un petit j'aime et de charisme cette fois. 15, c'est légèrement au-dessus du charisme, je crois. T'as combien? J'ai 14 de charisme. J'ai 9. Oui. C'est pas du tout la même okay. chose. Non, je confondu avec l'intelligence. Juste, un peu au-dessus, j'ai fait 1, j'ai 32 en charisme. Oh, je suis bien au-dessus. Tu vois que le warg renifle ta main. Il commence à la lécher. Et puis il ouvre sa gueule en grand sur ta main et va pour la manger. Il la referme sur le bout de tes doigts. Et tu perds instantanément le bout de ton majeur et le bout de ton annulaire. Tu pisses le sang. Mais la bête n'est pas agressive. C'est-à-dire qu'elle a croqué dans ta main, mais t'as perdu le bout de tes doigts, mais ça te fait horriblement mal. Genre et la phalange le sang, ou juste le bout? Juste le bout. Le premier t'as bout de la phalange. Quoi. Ouais, t'as plus d'ongle. T'as plus d'ongle parce que t'as bouffé l'ongle. Ah, mais genre quoi. Toute la phalange, tout le bout de la phalange. Oui. Quoi. Oui. Sur ce bout là. Encore une fois, c'est un loup de 2 mètres d'envergure. Enfin bon. Presque pas lui en vouloir. J'essaie de pas montrer que je suis dans une douleur extrême. Ouais. Pff. Ouais. Ouais. Pff. Un peu méta là, j'avoue que. Ouais, Courtenay commence à tirer ses deux épées derrière. Et il commence à se rapprocher. Je vais juste refermer la porte. Ah là là, c'est chaud. Allez, on referme.
En refermant la porte, c'était très calme en refermant la porte. En refermant la porte, tu entends que la bestiole se tape contre la porte. Tu entends des pfff, pfff, pfff. Ouais, moi, je dégaine mon épée. Moi. Je dégaine mon épée. Et puis ah ouais. Je... Bon bah. Okay. Bah on peut sortir de la salle et ouvrir la porte. Elle a pas ouvrir toutes les portes non plus. Hein. Non mais toi bon, attends. Allez, il te manque des bouts de doigts. Moi j'ai mal. Moi j'ai mal. Je me tire. J'ai mal, je me tire. Ah oui mais il fuit. Ah, donc, tout le monde fuit là. Non. Bon, d'accord. Ok. Pardon. Tu gères pas ça comme un. Il a pas de jet de dégâts, rien. S'il a juste plus de doigts. Ouais. C'est... Il a juste. Ouais, ouais. Il a juste plus de doigts. Il a horriblement mal. Mais je gère pas ça comme un gros dégât. Il y a une perte de sang, vraiment. Là, il est en train de perdre beaucoup de sang. Moi, je mets mes mains comme ça, horriblement dans la porte. Je fais mais là, on se barre juste. Il s'est fait manger les doigts et genre. Bah. Mais merde, Albert, je vais pas les récupérer mes doigts. Bah peut-être le. Je sais pas, non on se barre comme ça, tu lui as filé deux de terration, okay. Non mais je pense que c'était juste la leçon dont il avait besoin pour se rendre compte que c'est tout. Pas possible. Et là je regarde H et j'acquiesce, je fais moi je suis assez d'accord en fait. Ça s'est fait un peu dans le calme. Je suis allé, vas-y on se casse hein, je suis d'accord. On a vu que ça marchait pas, on se barre. Bon bah voilà. Tant que les portes sont fermées, est-ce que vous pouvez m'aider à arrêter le saignement putain? Donc là, on a ouvert la porte à un war qui va pas tarder à péter la porte. Donc là, on a refermé la porte. Et vous pensez qu'on va le distancer en courant? Non, mais il y a 4-5 portes en fait. Il y a 4, ouais. Et là, il y a 1, 2, 3, 4 portes. Et la porte. Moi, je regarde ces donjons. Ouais, je prends un bout de ma veste et puis je le bande comme je peux, quoi. Enfin, genre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des bouts de doigts coupés? Moi, je suis pas médecin, quoi. Donc. Quand je regarde et je dis ouais c'est quand même pas terrible des doigts en moins alors qu'on va marcher dans un froid quasiment polaire. Mais merde j'ai pas besoin de leçon. T'auras pas froid au dos en même temps. Bah il va avoir très très froid au dos justement. Tiens, j'ai une idée, attends. Je désinfecte mes gants en cuir souple avec mes pics là, j'enlève un. Je mets de l'alcool dedans un peu pour le nettoyer, okay. Puis j'ai du temps et je lui dis franchement j'ai que ça à te proposer quoi. Qu'est-ce que tu fais Joseph? Tu mets de l'alcool dans le dos? Je souffle. Bah tu sais quoi franchement. Ça sert à rien d'enfiler le gant, faut mieux laisser les. Faut mieux plutôt se faire un carreau directement. Bon bah j'essuie l'alcool que j'ai foutu. Non, c'est gentil, mais c'est gentil, mais qu'est-ce que je foute? Bon l'alcool sur les doigts et je vais me faire un carreau avec que je vais trouver. Bon, je reprends mon gant, je le remets et vraiment je hausse les sourcils dans ma tête. Là, il est plus rationnel. Là. C'est la douleur qui parle. Je dis, non, mais ça sert à rien. Mais c'est juste de conseiller Joseph de dire au lieu de faire un garrot, juste compresser un maximum. Si vous faites un garrot, tout va mourir. Quoi. Donc, compresser un maximum pour arrêter. D'entre nous. Moi, j'ai pas, sur moi, j'ai pas grand chose. Hein. Bon, bah, je vais compresser comme un con. Voilà. Tu connaîtrais pas, je me tourne vers Courtenay, je lui dis, t'aurais pas une idée? Normalement, t'as jamais fait ça, toi. On peut toujours aller rechercher des draps qu'on a vus, les draps poussiéreux, et essayer de faire un bandage. Ouais. On a plus un seul bandage sur nous? Moi j'ai utilisé, hein, j'avais une trousse, j'ai utilisé. Hein. Moi j'ai un kit médical sur moi. Ah, ah bah, moi j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut, du désinfectant. Fille-moi le kit, c'est bizarre, qu'est-ce que t'attends? Moi j'ai un truc qui permet de faire réapparaître un doigt. Je suis pas trop sûr. Oh, la cohésion du ce kit médical, on en a tous reçu un à un moment donné. Non, mais moi, j'ai utilisé déjà moi le mien pour tout le monde, enfin pour moi y compris d'ailleurs. Non, moi j'avais une potion de vie, mais j'ai pas. On peut arrêter de tergiverser, file-moi ce kit, mais c'est incroyable. Deux secondes, je veux savoir d'où vient ce kit médical. Ah bah je suis d'homme. Pourquoi Elisar, filez-moi ce kit ou vous mettez la main dans la gueule. Non mais je pense que tu l'as au mur là où j'ai failli casser la gueule à l'alchimiste là. Je pense que tu l'as eu à ce moment-là. Hein. Ah ouais. T'as dû acheter ça à ce moment-là, je pense. Vous avez besoin de quoi exactement dans le kit médical? Mais j'ai besoin de bandage. Arrêtez de me demander ce que j'ai besoin. Mais m'emmerde. Et puis on perd un temps précieux parce que le warg là, s'il est en train de s'acharner sur la porte, faut peut-être pas non plus négliger ça. Ah oui, mais bien sûr. Mais écoutez, si quelqu'un sait l'utiliser. Bon moi je prends et je fais, ne vous inquiétez pas Elisar, je connais, je prends et je lui fais un bandage. Merci je Albert. Je connais quand même un petit peu. Le saignement s'arrête, ça, tu arrives à arrêter le saignement Albert et à faire un bon bandage.
Et je finis le bandage et je dis quand même à Joseph, vraiment, encore une fois, sans sarcasme, je dis c'était vraiment une idée à la con. Et je le lâche vraiment parce que franchement, non, je suis désolé, c'est vraiment une... Bon, je l'ignore peu... totalement. Mais moi, je suis un peu stupéfait parce qu'encore, je suis assez terre à terre et en fait, la proportion de risque comparé à ce qu'on allait obtenir, pour moi, c'est complètement désuet là. Ce qui s'est passé, c'est vraiment genre le mec a perdu des bouts de doigts, c'est hyper grave, hein. Surtout pour moi. Moi, si je perdais des bouts de doigts, ça veut dire que je pourrais plus rien faire, ça serait terrible. Pour moi, ça serait terrible, ça serait la fin de moi, beaucoup de choses. Moi, dans ma tête, je pensais qu'il allait assumer jusqu'au bout et qu'il allait pas demander à ses petits copains leur kit médical. Quoi. Il garde, non, je pisse pas le sang. Il se vide sur la route, c'est vraiment pas mal. Est-ce que moi je me tourne toujours vers Courtenay, du fait, est-ce que tu sais s'il y avait des chevaux dans le coin ou une connerie comme ça, genre ils utilisaient quoi pour se déplacer, les wargs exclusivement? Ils utilisaient essentiellement des wargs ou alors des sangliers de guerre. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tous partis avec. Ouais. Bon, il nous reste que nos jambes, quoi. Bah écoutez messieurs, moi je pense qu'il faut pas tarder non plus quoi, parce que si c'est pour se récupérer le warg qui nous talonne au cul alors qu'on est en train de soigner Joseph et qu'on a en plus pas mal de routes à faire. On a pas mal de routes et encore une fois Joseph il avait beaucoup de rations, il aurait pu distribuer, mais là il y en a deux qui ont été bouffés par le warg, hein, donc on a vraiment moins de rations. Faisons l'état des lieux niveau rations. Moi j'ai 4 brioches paillardes, là c'est les gros trucs vraiment les gros trucs. Sachant j'ai encore 2 rations. Une demi brioche fait un repas. Complet. Voilà, donc avec une demi... Donc moi je peux me charger pour... Il y a combien de jours de marche déjà? 4. Non mais bah, lequel... bon... attendez, le calcul est déjà pas bon, on a une personne en plus. Bah non, mais c'est ce que je dis, avec Courtenay je peux m'occuper moi de moi et Courtenay et éventuellement en refiler 2 à quelqu'un. Moi j'ai 2 rations. J'ai un sac d'herbe. Bon, au moins ça c'est bien, tu taperas pas dans nos rations. Par contre on n'a pas d'eau. Et Après, il y a de la neige, il y a des trucs qu'on peut faire chauffer. Peut-être des choses. L'eau, ça manquera pas là où on va. Ok, ouais, d'accord. Donc, ça, c'est vous les experts. Je okay. Me fie à Elisa, on sait plus. Bah, dans la neige, il y a du gibier. Après, il y a un désert qui nous attend. Est-ce qu'avant, il y a du gibier, il y a des endroits que vous connaissiez pour... Après, c'est pas votre truc, c'est vrai, mais. Les Hautes Lames, c'est un endroit désertique. Oui, c'est le genre de toundra en fait. Où... C'est ça. Mmh. Tu sais qu'après, dans les chefs blancs, c'est vraiment de la neige à perte de vue. Ouais, si on a rien, on est mort quoi. Super. Ouais, moi j'ai. Il doit y avoir des animaux quand même. Toi en tout cas, Elisar, tu en as pas croisé et vu que c'est pas trop dans ton, ouais. Dans ton alimentation, ouais. Ça t'a jamais trop intrigué ou intéressé en tout cas. Shit. Donc moi j'ai 2 rations, t'en as combien Bon, Joseph ? Il m'en reste 3. Est-ce qu'on peut se rationner et manger de la demi-ration? Oui. Tu peux le prendre en oui, compte? Oui, bien sûr, vous pouvez même sauter okay. Des repas. Hein. Ouais. Et bah écoutez, moi je pense qu'on va faire de la demi-ration. Hein. Alors, bon, encore une fois, dans un esprit toujours assez terre-à-terre, dans la logique, c'est que là on va marcher dans un endroit où il fera très froid, on va demander beaucoup d'efforts pour marcher, on va consommer beaucoup de... Bah beaucoup d'énergie quoi, donc il faut qu'on mange en fait. Sinon, si c'est pour arriver à Midankar à moitié crevé, bah dans ce cas-là, la seule solution c'est on fait demi-tour, on bute ce warg et on prend tout ce qu'il y a dans la cuisine quoi. Moi franchement, buter le warg, utiliser sa peau, enfin je veux dire, ce qu'il y a dans la cuisine, je pense que c'est assez important. Je pense que là on peut pas faire demi-tour, on peut que aller de l'avant et aller de l'avant, ouais. C'est un énorme désert, on n'a pas assez de bouffe. Moi je pense que se taper un warg, c'est vraiment pas le plus dur qui nous attend. Hein. Ouais, écoute, parce que Albert m'a forgé une armure pour mes cornes, je veux bien vous aider, mais je tiens quand même à préciser que vu le nombre de décisions qui n'ont aucun sens qui ont été prises ces derniers temps, j'ai failli me désolidariser de cette équipe. Voilà, je tiens à vous le dire très honnêtement, là, on est en train de mettre notre vie en jeu, on perd des doigts pour rien, on balance des rations à des wargs. Oh Elisar, c'est pas vos non, rations, mais voilà, c'est pas vos doigts, dis, donc tout. Si vous voulez partir, vous pouvez partir. Oui, c'est pas par solidarité, avec Albert, je viens pour le combat. Et voilà. Oui, vous venez pour râler, donc. Taisez-vous, merci. C'est bon, ça suffit, Elisa. Bon, alors qui est pour se faire le warg? On y va? Moi, j'ai été pour dès le début, c'était pour assez clair. Moi, dès le début, j'ai exprimé mon idée de suivre cette bête parce qu'elle nous empêchait de nous nourrir et on en a besoin. Y
Je regarde Courtenay, qu'est-ce qu'il choisit, lui? Courtenay, tu sens dans son regard qui te voue une certaine loyauté et qui sera d'accord avec tous tes choix. Il dit que ouais, ça me paraît être le plus logique avec ce qui nous attend. Je pense que H a raison. Bon bah allez. Albert, je me range derrière ton avis. Il nous faut à manger et c'est effectivement pas la chose la plus dure qui va nous attendre, donc autant qu'on se rôde dès maintenant. Et autant venger de ce warg. Ouais, je pense qu'on a... Allez, on a fait le tour de la question, maintenant faut peut-être avoir une stratégie, vous avez une petite idée. Au moins il est sorti de la... Non, il est pas sorti de la cuisine. On pourrait peut-être l'attirer en dehors de la cuisine pour pas qu'il abîme la cuisine, parce que le pire ce serait de faire ça pour rien. Ah bah moi je pense que la cuisine, il s'est déjà... Ça se trouve il a tout bouffé dedans, mais bah bon, on verra, mais... Qu'est-ce que j'ai vu quand je au moins pas la faire brûler quoi, si on l'attire quelque lui. Part... Qu'est-ce que j'ai vu quand j'ai ouvert la porte, en fait, au niveau de la cuisine? Est-ce qu'il y a des trucs où tout était détruit? T'as vu une cuisine qui était un peu en bordel. Effectivement, il y avait quelques trucs qui étaient bouffés, mais il y avait quelques trucs intacts aussi. T'as pas pu trop voir exactement quoi, mais il y a des trucs détruits et des trucs qui ne le sont pas. Ok. Écoutez, moi je suis pour qu'on l'attire dans le sorte de réfectoire là. Bah, il est peut-être déjà dedans. Il est peut-être même déjà dedans. Ouais. Moi je pense qu'il est déjà dedans, à vrai dire. Ce serait mieux d'épargner un peu plus la cuisine qu'elle n'a déjà pris. Qu'est-ce que vous en pensez? On a, bah là après on peut vraiment réfléchir à quelque chose quand même. On a un grand espace, on a quand même des cellules auxquelles on a les clés. On a des choses. Bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire d'assez. Peut-être. Ouais, on peut vraiment être relativement à l'abri. Je dis bien relativement. Ouais. Eh bien écoutez, je propose que l'on termine la session là-dessus. Ok. Ce qui vous permettra peut-être de réfléchir à une éventuelle stratégie. Alors on va aller dans la pièce et lui casser la gueule. Voilà, voilà, on va le taper. On va le taper jusqu'à ce qu'il meure. Et puis voilà. Eh bien merci messieurs en tout cas. Eh ben merci à toi, beaucoup cher MJ. Merci d'avoir fait manger les doigts de Mathieu. J'attendais que ça et ouais, je suis très très. C'est toujours une mauvaise aventure pour Joseph. Ça m'a traversé l'idée que ce soit bien pire, Joseph, sache-le. Oui, bah franchement, oh là là, la prise de risque, mais what the fuck. Oh, ah, mais un grand loup. D'un autre côté, j'ai. Oh là là. Aussi... Il y a du... Attention, oui. Il y a de la prise de risque, c'est en beau tant aussi. Que... En tant que MJ, un peu le seum, parce que dans mes rêves les plus fous, j'aurais kiffé que tu montes un warg. Ah, moi aussi. Bien, ah oui, j'aurais déjà monté le warg avec des papillons autour. Ouais, j'aurais kiffé. Ça aurait été méga classe, mais ouais. Ah, c'est classe, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Hein. Pour moi, ça n'a aucun non, sens. Non, ça n'a aucun sens, j'aime bien des mecs qui peuvent le monter, donc je vois pas pourquoi ça. Il faut laisser faire les joueurs quand ils ont des génies. Franchement. Non, non, mais je dis pas par rapport aux joueurs, simplement moi dans le. Je valorise dans la tête du personnage. Point de vue cartésien. Ouais, ouais, vraiment dans ma tête, c'est genre en mode le risque, il est genre de. Je sais pas, il y a genre 99 contre 1, tu vois. Je pense pas ça. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Ça. Moi, c'est... Je chasse la gloire, donc s'il y avait un dragon, j'aurais essayé de le monter. Ouais, puis même en tant que. Enfin, en MJ, moi j'ai envie de valoriser aussi l'initiative des joueurs, donc c'est vrai ouais, que. Clairement. C'est tentant de jouer méta aussi, mais. Puis c'est assez raccord avec la le personnage, c'est quand même quelqu'un qui cherche à faire ses preuves, qui est un petit peu, enfin, ouais, un petit peu le mec qui débarque aussi de sa cour, tu vois, genre, ouais, il y a peut-être des trucs aussi, où en fait, peut-être il se rend pas compte à fond. C'est un miracle que t'aies pas perdu un bras. Pff, ouais, bah oui, mais miracle. Je me dis, presque chanceux qu'il ait qu'un bout de doigt arraché. Techniquement, avec même des bouts de doigts arrachés, pour tenir une épée, c'est compliqué. Hein. Ouais, ouais, je pense que... Bah c'est à main gauche, hein, donc ça va, mais... Ouais. Ouais. Non, si ça te gêne pas de perdre des doigts, moi je suis à l'aise. Vous ah êtes non, à l'aise. C'est pas ça, c'est juste que c'est juste qu'il faut pas réfléchir comme ça, tu vois. Si je me dis qu'est-ce qui est le plus logique ou ce qui fait le plus sens, c'est pas une façon fun de vivre un personnage. C'est vrai. Ah non, moi je l'ai vu en mode c'est raccord avec ton personnage, genre il a une idée, oui, il a envie d'y aller, et puis. Ah non, c'est pas du fun pour le personnage, c'est juste dans la logique du personnage, je peux comprendre, c'est justifié. Totalement, je remets pas la question de la justification. De mon côté, de mon personnage à moi, c'est aberrant. De façon méta, t'aurais réussi le second jet de dés, ça se serait passé bien autrement. Aïe aïe aïe. Mmh. Ouais. Bien aimé, mais...
Faut se méfier, Alex, il adore faire ça. Il adore franchement dans le meilleur des mondes. Il est gentil. Quand même, il y a beaucoup de gentillesse quand même de pousser à faire des trucs comme ça, parce qu'en vrai, quand t'as aucune compétence de dressage et tu vas avec la bite et le couteau. Ah bah oui. Mais d'un autre côté, si t'essayes pas, tu montras. Ouais, bien sûr. T'auras jamais d'expérience en dressage. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que c'est le juste milieu que je dois trouver est un peu. Dans la session qu'on avait fait avec Dora, Jeanne et Joyce, Dora avait réussi à dresser un faucon. Genre elle avait enchaîné des jets de ouf et en vrai bon sa technique était plus que bancale mais c'était passé. Non mais c'est plutôt c'est que au final là, c'était jets de dés qui ont. Tu passes de... enfin, on n'est pas en train de voilà de comment dire de dompter un petit chien ou un truc comme ça, on parle quand même d'un grand warg. Oui non mais c'est pas ça, mais c'est que c'est une créature qui est déjà prévoyante. C'est énervé. Non mais c'est énervé, moi dans mes rêves les plus fous, t'avais un grand warg et c'était grave stylé, attention. Non mais enfin, c'est parce que c'est déjà une monture, donc en fait ça se... Ouais. C'est pas comme c'est une sauvage, c'est logique. Ah non, mais t'as bien amené le truc, parce que depuis le début t'en parlais, donc après que ça se finisse comme ça, quelque part il est, pas... Il est quand même en état de choc depuis qu'il a plus son cheval, il est un peu en recherche de... Ouais, il y a plus de... Non. Toucher terre, ça fait pas plaisir. Ouais, puis là t'es plus léger avec des bouts de doigts en moins, quelque part. Donc je trouve un moyen de les faire repousser, moi. Bah d'ailleurs j'avais une question, alors là j'ai pas pensé dans le... Mais les potions de vie c'est calculé comment? C'est ça guérit des blessures très graves ou juste on parle d'une simple remontée de HP? Ça j'ai pas demandé, j'ai pas... j'ai oublié de... En fait t'as des niveaux de puissance de potions de vie. D'accord. Donc t'as les premières potions de vie où tu vas récupérer des HP et où ça va panser tes blessures un peu superficielles, les plaies peu profondes. Et plus ça va te donner de HP, et plus ça va te soigner des blessures graves. Donc par exemple, une potion qui fait 1d8 HP, ça va soigner des plaies profondes. Une potion, je sais pas, qui va te faire du plus 1d15 d'HP, voilà, ça peut déjà te... sur de la grosse popo. Quoi. Ouais, voilà. Je sais plus ce que moi, là, moi c'était 1d6, la première que j'ai eue, je crois que j'ai trouvé. Je sais plus. J'en ai une que j'avais gagnée en faisant un putain de jet à un autre là. Je crois que c'est 1d6, j'ai pas noté, je me rappelle plus si on me... Oui, c'était 1d6, je crois. Ouais, mais c'est 1d6 me dit quelque chose, donc ça doit être... Ok, non, parce que je réfléchissais à ça aussi, il y avait... Mais donc voilà. Faudra juste penser à écrire la lettre. Ça serait cool de la mettre direct dans indice et documents, comme ça tout le monde peut la oui, lire. On l'écrit tous ensemble. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup messieurs, et puis merci à toi, à la prochaine merci session. À toi, Alex.